est là, m'a dit de le présenter autour, comme ça a été fait par Christina, de la rédaction du Manifeste de l'eau, du contrat mondial de l'eau. C'est le livre, c'est l'écrit qui a fait que Daniel Mitterrand s'est engagé sur ce combat-là. Et donc voilà, je te laisse te présenter et enchaîner. Oui, merci à vous toutes, à tous, bon après-midi. Je vous remercie parce que vous êtes aussi nombreux. Peut-être même que la première fois, on considérait qu'on avait atteint un bon record. Eh bien, cet après-midi, on fait des records. Alors, c'est bien. Un grand merci. La dernière fois, on avait peur que vous n'étiez pas là parce qu'il y avait un soleil. Et maintenant, on avait peur qu'on n'était pas là parce qu'il y avait la pluie. Eh bien, voilà, les gens de bien communistes, si on peut dire comme ça, dépassent les conditions et les contraintes climatiques. Merci beaucoup. Alors, conformément à ce que vient également de dire Emmanuel, moi, j'ai essayé de répondre dans le cadre d'une université sur une question théorique, quoi. C'est de voir ensuite quels sont les éléments d'action citoyenne par rapport à une tentative de compréhension de l'évolution du monde dans lequel nous vivons. Et cet après-midi, je voudrais soumettre à votre attention la thèse sur la bifurcation. La vie est bifurcation. La vie, tout à fait, si on pouvait le mettre, je m'en occupe. Ça va venir. Attends, peut-être on va y arriver. J'ai lieu dans la tête aussi. Donc, on pouvait se passer de ça, enfin. Attends, on va y arriver. Tu continues et enchaîne et on va y arriver dès que j'arrive à voir quelque chose. Et sinon, bon. Non, mais c'est dessus, c'est juste que je ne revois pas la souris, moi. Mais si, le premier qui voit la souris. Voilà, vous voyez, c'est juste avec l'âge. On l'a vu, c'est écrit à la main. Moi, je ne suis pas un informaticien. Régénération, mutation. Et il y a un prix Nobel de la chimie qui avait inventé que l'évolution chimique passe toujours par la bifurcation. Et il y a à Prigogine, c'est un collègue de l'Université libre de Bruxelles qui a reçu le prix Nobel en chimie par la théorie de la bifurcation. Et alors, la thèse soumise à votre attention, ce que je viens de le dire, comment est-ce que nos sociétés ont pu, à partir d'un chemin traditionnel qui considérait toujours que l'eau est le symbole de la vie, la source de la vie, le beau et bien de l'humanité, patrimoine de l'humanité, patrimoine commun, bien social, etc. Comment ça s'est fait que nos sociétés, pourquoi, quand et comment, nos sociétés, au contraire, ont affirmé clair et net, et la pratique, que l'eau est un bien économique. En entendant dans notre société actuelle, la théorie économique, qu'un bien économique est le bien qui se définit en tant que tel parce qu'il est soumis à des processus de rivalité et d'exclusion. Ça, c'est vous regardez tout texte de l'économie qu'on enseigne depuis 70 ans dans toutes les universités du monde, le bien économique se définit par le bien qui est objet de rivalité et d'exclusion. Et c'est la thèse dominante qui dit que le bien, l'eau est un bien économique. Comment ça se fait? Alors je vous propose rapidement d'aller chercher les processus, les évolutions, les phénomènes, appelez-les comme vous voulez, qui, ensemble, mis ensemble, au cours des 40 dernières années, ont amené nos sociétés à faire ce choix et à créer tout un sentier, un chemin, une route, une autoroute du devenir de nos sociétés à partir de la théorie que l'eau est un bien économique et non plus social. Il y a, à mon sens, quatre gros processus qui sont intervenus. Le premier processus, c'est lié au rôle de la finance.
à partir de la crise du système financier conçu en 1945, je vous passe la description de ce système, malheureusement le temps ne me le permet pas, mais enfin on arrive dans une société qui petit à petit, en 40 ans, mais déjà donc vers la fin des années 70-80, début 80, donne la primauté à la finance d'être le paramètre de définition de la valeur. C'est ça qu'on appelle maintenant financiarisation de la société. C'est-à-dire que la valeur ne peut s'exprimer qu'à travers des critères de propriété, rendement, productivité, du capital financier. Et cette processus, effectivement, est lié du fait qu'à partir du moment où il y a eu l'élimination des taux d'échange, la convertibilité du dollar en or, etc., la monnaie est devenue marchandise. Et s'il vient que s'il y avait des marchés de devises avant la crise de 1971-73, mais c'était insignifiant, à partir des années 70, les marchés de devises sont devenus un marché de plus en plus important même que le marché des marchandises, et petit à petit, la réalité est devenue que les transactions financières en tant que telles, de plus en plus dissociées de l'économie réelle de production et consommation de biens et de services, c'est les transactions financières qui font du profit et qui créent richesse financière sur la finance, est devenue l'activité économique principale dans ce monde financiarisé. Maintenez ça en tête. Donc la valeur est dictée par la finance. Et d'ailleurs, on le voit. Deuxième processus qui est intervenu, c'est que, lié aux technologies également, les échanges ont vite débordé à partir des années 70, grâce aussi à la financiarisation croissante. Ont débordé les frontières des économies nationales. L'économie nationale, petit à petit, perdu cette grande connotation, configuration, pesanteur qu'elle était dans la vie quotidienne du monde. Et les échanges sont devenus de plus en plus importants. Et déjà vers la fin des années 70, on disait que le commerce extérieur a été plus important dans la contribution de la création du produit intérieur brut que l'activité économique proprement dite à la production des biens et des services. Et on avait constaté, par exemple, que finalement, déjà vers la fin des années 80, début 90, que les commerces intra des entreprises multinationales représentaient 60% du commerce mondial. Et ce n'est pas par hasard que cette phase où le commerce devient l'espace social de détermination de la monnaie en termes financiers, et on le trouve avec la création qui devait culminer la sacralisation de la globalisation marchande, qui était la création de l'Organisation mondiale du commerce. J'ai fait une petite clause sur cette affaire. Le débat jusqu'à 1994, à partir après de la Deuxième Guerre mondiale, était pourquoi ne créons pas une Organisation mondiale du développement ? On ne l'a jamais créé. On n'a jamais créé même l'United Nations Development Program. Ce n'est pas effectivement une organisation, c'est un programme des Nations Unies. Et en effet, quand on voulait éliminer la GATT ou améliorer l'organisation existante, on avait proposé l'Organisation mondiale du commerce et du développement. L'idée était de dire que le commerce doit servir à une politique de développement. Eh bien, on n'a pas voulu ça. En 1994, on a créé l'Organisation mondiale du commerce. Et c'est là qu'a été affirmé de manière en plein soleil le fait que l'économie dominante, les théories dominantes, dit que la valeur se crée dans l'échange. En l'absence d'échange, il n'y a pas de valeur. Et toute chose acquiert une valeur si elle est dans l'échange. Deuxième grand processus. Troisième grand processus qui explique pourquoi il y a eu cette bifurcation, c'est la technologisation. La technologisation qui dit désormais
les coordonnées de l'économie et des activités de création de richesses ne sont plus soumises à des contraintes déterminantes, définitives, pour, du point de vue du temps et de l'espace. La technologie ouvre le temps, élimine le temps, exemple ce qui est devenu petit à petit les transactions financières au cours des 10 dernières années. Ces 5 dernières années, les transactions financières, 30% des transactions financières se font à ce qu'on appelle la finance à haute fréquence, c'est-à-dire au millionième de seconde. Le temps de l'espace, n'importe quel espace, l'espace local, le micro-territoire, ça peut être le monde, quoi. Et les contacts entre les espaces, les micro-territoires, ils sont tous imbriqués, c'est interdépendant, etc. Donc, la technologie a fait sauter, encore une fois, comme la finance, comme le commerce, a fait sauter l'idée de l'économie nationale et donc du rôle de l'État. Et petit à petit, non seulement a réduit le rôle de l'État en tant qu'acteur intéressant dans le domaine de l'économie, mais a dépossédé l'État du pouvoir politique. La technologisation, au fond, a délégué, a décentré, a déconcentré, a multiplié, a molécularisé le pouvoir politique, à autre détriment de qui ? Du pouvoir politique public institutionnalisé. Le pouvoir politique public ne compte plus tellement dans nos économies. Et ça a affecté petit à petit tout ce qui était les biens communs publics, etc. Et finalement, le quatrième, j'espère qu'il est là, oui, le quatrième phénomène qui est intervenu, c'est que dans tout ce processus, le vivre ensemble n'a pas été objet plus de régulation politique, économique, culturelle et sociale par des institutionnalisations des sociétés, des communautés humaines. On a assisté à une déinstitutionnalisation de la régulation du vivre ensemble à partir des villages jusqu'à la planète, et on a au contraire affirmé, et ça c'est une des plus fortes raisons qui a fait que la bifurcation vers l'eau en tant que non plus bien commun, public, organisé aux différentes échelles, des bassins, etc., ou des États, ou des communes, a explosé, on a affirmé la primauté de la micro-institutionnalisation de la régulation des intérêts corporatistes. Et aujourd'hui, on ne parle plus de règles mondiales ou de régulation politique mondiale. On dit non, non, chacun doit auto-organiser les villages, les villes, les entreprises. Il n'y a plus problème de contrat mondial du travail ou des contrats de secteur du travail. C'est au niveau de l'entreprise que tout doit être réglé. Il n'y a plus question d'avoir une banque centrale. Ce sont les acteurs eux-mêmes, ceux qui possèdent les fonds d'investissement qui règlent, ils le règlent au niveau qu'ils veulent, etc. Et c'est donc qu'on a complètement molécularisé négativement le vivre ensemble. Si vous mettez ces quatre choses, on comprend que l'eau n'est pas un bien commun. On comprend qu'on a fait sauter tout. On a fait sauter tout au point de vue du vivre ensemble, on a fait sauter tout du point de vue de ce qui a la valeur, on a fait sauter tout de ce qui a la régulation politique par les États ou par les communes, les municipalités. N'a pas de sens dans tout ça. Et on l'a fait. Pourquoi on peut continuer à parler de bifurcation ? Et parce que de l'autre côté, il y a malgré tout des chemins de révolte, des chemins de résistance, des chemins d'opposition. Et malgré tout ce que je viens de vous dire, par ici et par là, on a réussi. Mais c'est une petite rivière par rapport au grand fleuve de la bifurcation dominante. Et alors, si on peut passer à la deuxième, on constate, je vous le donne le rappel, mais là aussi je vais être très rapide, de sorte qu'en deux minutes après, je voudrais dire comment faire. Tu peux, si tu l'as trouvé, c'est parce que les parler, si vous les voyez, c'est la seule chose qui vous permet parce qu'il est, de il est mémoriser. Parti où, Fred? C'est une autre feuille, gars. Ah ouais, mais... Je ne connais pas son ordi, là.
dit partout, Frédéric. Parce qu'il n'y a pas de clavier. Si. Ah, voilà. Excusez-moi si on perd du temps. Ça, voilà. Les dates, parce que ce sont très importantes, les dates qui marquent la bifurcation et qui marquent cette expansion. Disons, dans le fond de la scène mondiale de l'évolution de notre histoire, il y a une date fondamentale qui est 1980, quand pour la première fois la Cour suprême des États-Unis a légalisé pour la première fois dans l'histoire humaine la brevetabilité du vivant. L'eau est vivante. Les molécules les peuvent être brevetées, certaines applications. Ça, c'est la plus grande date qui détermine l'histoire de nos civilisations de nos temps. C'est la brevetabilité du vivant. On peut devenir propriétaire à titre lucratif et à titre privé de toute forme de vie pendant 17 à 25 ans. À l'heure actuelle, il y a 8000 et quelque chose brevets sur le vivant dans le monde. Rien n'échappe. Cette brevetabilité, nous l'avons copiée en 1998. La directive européenne dit aussi on veut breveter. Et puis alors, le premier signe, c'est quand on a discuté de la conception de la décennie internationale de l'eau, 1991 et 1990, par l'ONU, et là, des gens disaient qu'est-ce que c'est du droit, qu'est-ce que c'est cette histoire. Il y avait des pays qui avaient commencé à dire non, interdire, pas d'accord, ce n'est pas un bien social, c'est malgré tout quelque chose d'important pour l'économie, etc. etc. Et la même question est venue quand on a discuté autour de 1987 le rapport de Brundtland sur Our Common Future, qui était le rapport fondamental de toutes les théories de nos sociétés sur la soutenabilité, sur le développement durable. Eh bien, je vous rappelle, mais je le raconte ça dans les livres au nom de l'humanité, que le rapport Brundtland n'a pas été formellement accepté par l'ONU, parce qu'il y avait des États qui ne voulaient pas et n'ont pas voulu. Et alors, la décision finale a été que l'Assemblée générale des Nations Unies a reconnu l'existence de ce rapport. Et qu'elle a été la base du compromis de dire que le développement durable n'est pas un développement substitutif, alternatif au développement économique, mais qu'ils vont considérer que le développement durable est un facteur positif de développement, de croissance de l'économie. C'est-à-dire qu'ils ont réussi, le fameux rapport de Brundtland a été accepté parce qu'il est inscrit que le développement durable est une condition nécessaire, indispensable pour atteindre l'objectif de la croissance économique. Alors si vous considérez ça, vous imaginez tous les cascades, tous les effets qu'il a eu sous la conception de l'eau. Mais venant spécifiquement, en rapide, comme une mitraillette, 92, sommet mondial de la Terre à Rio de Janeiro. En préparation du sommet mondial, on fait une conférence internationale de l'eau à Dublin, organisée par l'ONU. Quatre principes de Dublin restent. Première chose, on dit que l'eau est un bien économique. C'est la première fois où écrit noir sur blanc que l'eau est un bien économique. Ce principe est transféré dans le document final du sommet de la Terre de 1992 à Rio de Janeiro. Deuxième principe de Dublin, c'est que l'eau doit avoir une valeur marchande. C'est-à-dire qu'elle est une marchandise et que comme telle doit avoir une expression monétaire. Troisième principe, donc, il faut payer l'eau, le prix. Quatrième principe, c'est la coopération, partenariat public-privé. Tout ça, 93, la Banque mondiale, qui avait été à la base de la déclaration de Dublin, publie les grands rapports qui s'appellent la Bible de la communauté internationale sur l'eau, et qui est, en français, c'est la gestion intégrée des ressources de l'eau, et dès que ça gérerait, et qui, au contraire, dans le monde entier, est connu avec l'acronyme Integrated Water Resource Management, qui reprend une chose fondamentale, le même principe de Dublin, et puis affirme une chose typiquement
de l'école française de l'eau, des compagnies multinationales de l'eau, qui dit l'eau finance l'eau. Et que c'est le prix de la facture de l'eau qui doit être la source de financement de toutes les activités hydriques d'un pays. Et ça est resté désormais comme les deux ou trois commandements de l'eau universelle imposés par l'économie dominante et par les sociétés dominantes. 96, alors la Banque mondiale et l'ONU favorisent les grandes compagnies multinationales françaises pour créer le Conseil mondial de l'eau. Le Conseil mondial de l'eau crée le Forum social, le Forum mondial de l'eau, qui en 10 ans devient la seule reconnue par l'ONU et les autres institutions, tout le gouvernement, la seule grande assemblée internationale de discussion et de débat sur l'eau. Il crée également le Global Water Partnership, qui théorise et sacralise l'idée que la gestion ne peut être fondée que sur des partenariats entre les porteurs d'intérêt, en notamment public et privé. En l'an 2000, l'Union européenne fait la directive cadre de l'eau qui reprend tous les principes de Dublin et de l'Integrated Water Resource Management. Depuis lors, personne n'est plus capable de modifier qui que ce soit dans la politique européenne de l'eau. 2000, on fait la signature du Global Compact entre les Nations Unies et les grandes compagnies multinationales, de sorte que les grandes compagnies multinationales, à condition qu'ils payent au moins 50 000 dollars, peuvent participer aux travaux des différentes institutions de l'ONU et des agences internationales, et petit à petit, ils pénètrent et ils féodalisent petit à petit l'ONU, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans la santé. 2000 commence le premier investissement de fonds d'investissement par une banque suisse, Big Tech. 2002, au deuxième sommet de la Terre à Johannesburg, on ajoute qu'on commence à parler de la nécessité de monétiser la nature et monétiser l'eau. En 2003, il y a la conférence internationale de l'ONU à Monterey sur le financement de l'eau. La finance de l'eau. Et là, c'est encore un Français. C'était l'ancien directeur général Campdessus qui a fait un rapport au nom de l'ONU sur comment financer l'eau, et vous pouvez bien comprendre que le rôle du marché financier et des investisseurs financiers privés est déterminant. Le 2007, l'ONU finalement, il s'est dit qu'il n'y a que le Conseil mondial de l'eau qui peut penser une politique mondiale de l'eau, et donne une tâche à 13 grandes compagnies multinationales d'élaborer un plan mondial de l'eau, ce qu'on appelle le Global Compact CEO Water Mandate. CEO, c'est Chief Executive Officer, c'est-à-dire il y a 13 grands patrons du monde à qui l'ONU demande d'élaborer le plan mondial de l'eau. Et en 2007, l'ONU adopte ça. Heureusement, les 13 grands patrons ne se sont pas mis d'accord, de sorte que au Forum mondial de 2009, où les CEO Water Mandate auraient dû présenter ce plan de l'eau, ils ne présentent rien, et heureusement encore, on n'a pas un plan d'eau mondial élaboré par les entreprises. 2012, le sommet mondial de la Terre, le 33e majeur, consacre la monétisation de l'eau. C'est de water pricing, water banking, dans le contexte de nature pricing, nature banking, etc., etc. C'est-à-dire, c'est le sommet ultime de la financiarisation de la politique de l'eau dans le monde. Et le 2012, la Commission européenne produit le Water Blueprint. Le Water Blueprint, c'est le programme pour les 15 prochaines années jusqu'à 2030 de la conception que je vous ai expliquée, bifurquée, de l'eau par la l'Union européenne et partie de la Commission. Seule partie qui va contre, c'est la déclaration de l'Assemblée générale de 28 juillet 2010 qui reconnaît, malgré tout ça, qui reconnaît que l'accès à l'eau et à l'assainissement est un droit humain. Alors face à ça, moi, ben, il me semble qu'il faut se battre pour avoir une troisième bifurcation. Ricardo, c'est... Ça marche. Ah, oui.
Là ? Voilà. Non, pas encore. Peut-être on peut faire un débat, moi je propose. Mais donc c'est intéressant quand même que tu nous expliques un petit peu ce qui s'est passé à l'Assemblée générale des Nations Unies en 2010, parce que pour le coup, c'est pas l'Europe qui porte cette résolution, oui, c'est la Bolivie et l'Équateur, et donc c'est des pays dans lesquels le droit de la nature a une place, dans lesquels les constitutions sont faites autour de la Pachamama, du bien-vivre, etc. C'est-à-dire que et c'est important qu'on le comprenne, parce que c'est derrière, c'est... Brièvement, mais c'est important, parce que c'est quelque part, c'est le pendant de la bifurcation. Dans ces pays-là, non. C'est-à-dire que pour nous, oui, mais en Amérique latine, non. Donc du coup, c'est important qu'on se... Oui, effectivement, la résolution de l'Assemblée générale de 2010, nous la devons uniquement à Evo Morales. Nous la devons à la Bolivie. Et à Pablo Solomon. À Bolivie. Il n'y avait pas d'autres pays. C'est la Bolivie qui a mis à disposition toutes les ambassades qu'il y avait à travers le monde et a dit en un an, nous devons obtenir ça. Et la priorité de toutes les ambassades était ça. Il y en avait un ami à nous, que nous connaissons, qui est Pablo Solon, qui était ambassadeur aux États-Unis, aux Nations Unies, justement pour développer le projet de la résolution de l'ONU. Eh bien, ils ont réussi, ont été très intelligents, très malins. Ils ont réussi, 141 États ont signé la résolution. 43 se sont abstenus, mais dans le langage onusien, quand on s'abstient, signifie qu'on veut voter contre, quoi. Disons, ils évitent de voter contre, voilà. Il n'y a pas votation contre, mais ils s'abstiennent. Et donc, 43. Sur les 27 pays de l'Union européenne de l'époque, eh bien, 16 ont voté contre. Ce sont absolument contre. Contre la résolution. Et donc, cela signifie que l'Europe s'est divisée. Il y avait, disons, moitié qui sont contre et moitié qui ont voté pour qu'on reconnaisse que l'accès à l'eau et à l'assainissement est un droit. C'est extraordinaire. Et les autres 43 des autres pays, eh bien, c'était tous. États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie, tous les pays de l'OCDE, c'est-à-dire les pays du Nord. Donc la résolution qui, dans toute cette phase, est la seule perle qui reconnaît l'eau bien commun et les droits, eh bien, a divisé le Nord et le Sud. Il a divisé les Européens. Donc c'est intéressant ça. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les années qui ont suivi avec l'engagement d'un certain nombre de pays du sud du monde d'inscrire le droit à l'eau pour tous dans leur constitution, tu pourras l'évoquer, et tout dernièrement, l'année dernière, la Slovénie, qui est le premier pays d'Europe à avoir inscrit le droit à l'eau pour tous dans sa constitution. Encore, il n'y a finalement que seulement 9 pays au monde qui ont inscrit les droits à l'eau dans les constitutions. Les autres pays ont adopté peut-être des lois nationales, mais ce n'est pas très nombreux, ou sont dans le cadre des lois pour le développement durable, etc., qui reconnaissent l'accès à l'eau comme droit. Ceci dit donc, moi je ne voulais pas dépasser plus de 20 minutes, 25 minutes, ceci dit, trois réflexions sur comment quoi faire. Et il me semble qu'une action forte doit être faite au niveau de nos communautés de base. Et il faut que nous récupérions notre capacité d'être citoyens au niveau des communautés citoyennes de base. Et au niveau des quartiers dans les villes, il faut par exemple partir de l'eau potable, de l'eau de pluie. Dans nos villes, l'eau de pluie est laissée pourrir. On ne fait rien de l'eau. Hein? Jacques, qui a été administrateur, vice-président du conseil général, et puis un conseiller municipal, etc., il sait qu'est-ce qu'on fait de l'eau de ville. Peut-être on fait des bassins de bas d'inondation contre inondation, mais après, on ne sait pas. Mais donc, l'eau de pluie est laissée. Ma thèse, c'est de dire qu'à partir de l'eau de pluie, on pourrait valoriser de nouvelles formes de vivre au niveau urbain et de nouvelles formes sociales. Les gens qui habitent des bâtiments, des ensembles, des quartiers, c'est eux-mêmes qui l'organisent.
C'est eux qui deviennent responsables des citernes qu'on pourrait créer d'en haut des bâtiments ou souterrains, etc. Donc, je veux dire, première action, il me semble qu'il faut redonner la capacité d'être citoyen. Et là, je crois que Jacques aura beaucoup de choses à dire, et du point de vue de l'éducation, également Jean-Pierre. La deuxième bataille, c'est que nous devons nous battre pour affirmer que le droit de vie et de la vie est l'impératif politique majeur. Il ne faut pas accepter de vivre dans l'acceptation actuelle que la vie, bon, c'est la vie quoi. Que la vie est marchandise, que la vie est finance, que la vie est puissance, que la vie est technologie, que la vie est tout ça. Nous devons casser cette domination qu'on a métabolisée. On n'a plus la conscience de la vie. Et la vie, on nous acceptons. Surtout que la technologie fasse la vie. Et je crois que ça, c'est une action, revient à l'éducation, revient à l'université du bien commun. Nous devrions être, nous multiplier, faire beaucoup d'enfants. Hein? Parce que nous devons affirmer le droit de l'autonomie de la conception et de la pratique de la vie. Que la vie est. La vie ne veut pas être les drones, la vie ne veut pas être les nouveaux médicaments artificiellement faits, et la vie ne veut pas être les computers, la vie ne veut pas être l'argent, la vie ne veut pas être la maison seulement. Nous devons réaffirmer la vie. Et rejeter, moi je pense que l'une des raisons de ce deuxième chemin, c'est que nous devons commencer à dénoncer, à nous dénoncer, l'exemple que nous avons fait mourir ces 20 dernières années, presque 40 millions d'enfants de moins de 6 ans, par des maladies dues à l'absence d'accès à l'eau. Pendant ces 20 dernières années, on le savait. Moi aussi, dans les écrits, dans les manifestes de l'eau, j'ai répété ce que l'UNICEF dit, que chaque année, chaque jour, meurent 4 000, alors aujourd'hui, hein, chaque jour meurent 4 800 enfants moins de 6 ans à cause de maladies dues à l'absence d'accès à l'eau. Eh bien, ça vous fait presque 2 millions par an. 20 ans plus 2 millions par an, nous avons accepté qu'il meurt 40 millions d'enfants. Et je vois que nous, on n'est pas prêt à dire que les 20 prochaines années ne mourront pas. Donc, la vie est partir des enfants. C'est-à-dire, c'est pas possible. L'eau est bien commun, c'est ça, le droit. Et les enfants. Et troisièmement, c'est politique. La troisième vie est politique. Réaffirmer que la seule raison de la polis, de la politeia, la politique, c'est vivre ensemble. Le vivre ensemble est à la base de toute existence organisée comme polis. Voilà moi les trois pistes sur lesquelles. Alors, par exemple, comme acteur, pour le deuxième, moi je pense que nous devons favoriser et convaincre les maires du monde entier à devenir l'acteur tout puissant de la bataille pour l'eau. Merci Ricardo. Ricardo, c'est des sujets, évidemment, ce sont des sujets qu'on va évoquer dans la deuxième partie de notre après-midi avec Jacques Perreux sur la partie collectivité et avec Jean-Pierre Wauquiez sur la partie éducation. On y reviendra. Moi, je vous propose maintenant peut-être, on a une vingtaine de minutes pour des premières questions, pour que vous puissiez nous dire un petit peu aussi voilà, ce que vous en pensez, et puis quelles interrogations ça suscite pour vous, et comment on peut élargir le débat sur la base de cette présentation. Prendre trois questions par trois questions, et puis ensuite on fera en sorte de s'arrêter, hein, comme on l'a prévu, vers 16h10, et on fera une petite pause et on enchaînera. D'accord. Bonjour. Juste une question. Oui, je suis Victor, profane intéressé. Il faut bien parler dans. Oui. Donc, juste la question, j'ai pas tout à fait saisi le concept de bifurcation. Pour moi, une bifurcation, on a une direction initiale,
puis deux potentielles directions, et on se dirige vers l'une de celles-là. Donc j'ai bien compris quelle était la direction actuelle de la bifurcation, c'est-à-dire l'eau est un bien marchand et financier. En revanche, ce que je n'ai pas bien compris, c'est avant ça, la première partie, comment considérions-nous l'eau avant cela? Parce que d'un point de vue biologique, la compétition, la rivalité pour l'accès à l'eau est une réalité, il me semble. Alors, encore une fois, d'un point de vue profane, etc. Donc bon, cette rivalité est une réalité. Donc ça veut dire que finalement, cette bifurcation me semble être plutôt une continuité, en disant l'être humain fait partie de la nature, il doit aussi être en rivalité, en compétition pour l'accès à l'eau, et c'est ce qui permet peut-être de réguler ça. Pour en bref, encore une fois, on ne va pas aller trop loin non plus, mais gros, ça complète. Pardon, mais voilà. Donc on a première thèse, l'eau semble être une rivalité. On bifurque en disant la rivalité n'est pas pour la survie, mais financière. Bon, d'accord. Alors quelle est la troisième option? L'eau est un bien commun de l'humanité et donc c'est bien ça, c'est là les trois branches de cette bifurcation. Je veux juste vérifier. On va vous répondre. Daniel. Merci, messieurs. Oui, bonjour. Daniel Hoffnung, je suis co-président de la coordination Île-de-France. Alors, je vais rebondir un petit peu, d'une part, sur l'exposé de Ricardo par rapport à 2012, puisqu'en 2012, les associations engagées sur l'eau, dont France Liberté d'ailleurs, ont participé à un deuxième forum, qui était un forum alternatif de l'eau à Marseille, au même endroit que le forum mondial, pour essayer de définir des alternatives qui soient en particulier la reprise de l'eau en gestion publique, qui soient des alternatives dans les pays émergents en reconquête du droit à l'eau par une autre acceptation de l'eau. Alors par rapport à la question qui vient d'être posée, moi, je voudrais rebondir parce que je crois que la rivalité et la compétition effectivement sont une valeur très marchande, mais ce n'est peut-être pas la valeur des systèmes naturels. Je crois qu'il y a une autre valeur qui est en train d'être découverte actuellement. J'ai assisté à un symposium à Montréal il y a peu de temps qui s'appelle Sol vivant, et là-dessus ont été mis en avant les notions de coopération entre organismes vivants, hein, par exemple les coopérations entre les mycorhizes, les petits champignons du sol qui vont amener l'azote, qui vont capter l'azote et qui vont l'amener, par exemple, aux céréales qu'on va planter à côté. La coopération entre légumineuses qui vont capter l'azote et céréales. Donc il y a toute une série de coopérations qui existent dans la nature sans laquelle notre monde n'existerait pas. Et peut-être partir d'une explication du monde basée sur la rivalité et la compétition économique, et là, la bifurcation, elle est là. C'est-à-dire qu'on a abandonné la notion de coopération, et je crois que le paradigme d'un monde nouveau, ce sera un monde basé sur la coopération. Merci. Il y a une question. Si le micro peut circuler... Oui, bonjour, c'est Laurent Tillon. Je revenais aussi sur cette idée de bifurcation, parce que autant je partage cette idée qu'il y a effectivement une bifurcation pour les raisons que vous avez évoquées, autant je vois mal le lien avec l'eau sur cette question, parce que l'eau a toujours été payante avant, c'est pas d'un coup qu'elle devient payante. Et on sait que l'accès à l'eau nécessitait au niveau du domicile des infrastructures qui nécessitent énormément de capitaux, et que c'est la rémunération de ce capital qui pose question. Mais il y avait un besoin en capital, et les premiers services d'eau en France avant la Révolution n'ont pas réussi à se mettre en place parce qu'ils n'ont pas réussi à mettre en place un modèle économique qui permettait de rémunérer le capital et de rémunérer la mise en œuvre du système. Mais quand il n'y avait pas de service d'eau structuré, les gens achetaient de l'eau. Et partout dans le monde où il n'y a pas de service d'eau structuré, on achète l'eau et on la paye beaucoup plus cher que quand on a accès au service. C'est les notions au niveau d'un service, d'une logique économique de club, où le coût d'entrée du club est très élevé. Par contre, une fois qu'on est dans le club, on paye moins cher.
Et c'est quand même, à ce niveau-là, je ne vois pas l'impact de la bifurcation là-dessus, si ce n'est qu'on va vers des logiques économiques beaucoup plus renforcées, ça je suis complètement d'accord, mais on ne vient pas d'un monde où l'eau n'était pas une marchandise qui était parfaite, à un monde qui devient un monde difficile aujourd'hui. Ça, c'est, à ce niveau-là, je ne vous suis pas du tout. Par contre, sur la question de la réappropriation sur le local, ça me paraît quelque chose d'essentiel, d'absolument important sur cette problématique. Et un peu moi, ce que je dis, je ne vais pas être trop long, mais c'est juste pour dire qu'on passe d'une. Il faut changer de monde à ce niveau-là. Passer d'une logique où on avait une solution universelle qui était le tuyau pour toutes les eaux, parce que pour aller à des logiques beaucoup plus locales de réappropriation de la totalité du cycle de l'eau. En ayant des solutions adaptées au territoire. On a nié le territoire pendant trop longtemps en mettant des tuyaux partout. Aujourd'hui, il faut sortir des tuyaux et revenir à des approches qui sont plus intelligentes, qui tiennent compte de la réalité du territoire. Merci. On va prendre des premiers éléments de réponse, peut-être, Ricardo. On partage la réponse. Je voudrais rebondir très rapidement sur la question de la rivalité et de la coopération. Dans un livre d'Hervé Kempf, il met en avant une étude d'une université américaine qui a regardé un petit peu tous les espaces de coopération qu'il y avait sur la question de l'eau et tous les conflits qu'il y avait sur la question de l'eau sur la planète. Et à l'arrivée, il y avait plus de 1800 espaces de coopération entre les États. Il y avait 30 conflits, dont 27 entre Israël et ses voisins. Et donc, ça veut dire que globalement, l'humanité s'est quand même construite au fil de l'eau, et pour moi, quand Ricardo parle de la bifurcation, c'est quand même ça. C'est qu'il y a, pendant des millénaires, il y a eu cette évidence du partage de l'eau, il y a eu cette évidence de la construction de nos sociétés en lien avec l'eau, avec les fleuves, avec les sources, etc. Et ce n'est que par la technique, que par la technologie, qu'on s'est éloigné de ce modèle-là. Et d'ailleurs, quand on va dans des pays qui n'ont pas la chance d'avoir ce type d'infrastructure, on retrouve les espaces de coopération. Puis la seconde chose qui est essentielle, je pense, c'est qu'il faut absolument qu'on distingue le prix de l'eau du prix du service d'accès à l'eau. C'est-à-dire que ce qu'on paye, quand on paye sa facture d'eau, c'est tout sauf l'eau. Ce qu'on paye, c'est les usines, c'est les tuyaux, c'est l'assainissement derrière, mais c'est pas l'eau elle-même. Et comme on n'a pas fait l'effort en termes de sémantique de dire on paye le prix du service permettant de rendre accessible une eau propre chez soi et qu'on fait le raccourci en disant je paye l'eau, bah du coup on s'éloigne de la réalité de ce bien commun. Et c'est pour ça qu'on est rentré dans une dynamique capitalistique où plus on vend d'eau, plus on a d'argent et mieux c'est, alors qu'on devrait être dans une économie de moyens qui démarre dans la nature, comme c'est le cas par exemple sur Grenoble, où Grenoble a fait le choix depuis très longtemps, plus de 100 ans, d'investir dans la protection de sa ressource en eau, et Grenoble distribue au robinet une eau non traitée, une eau qui est naturellement propre. Et donc, dans ce cadre-là, on peut avoir des économies de moyens. Par contre, pour une multinationale, et le cas de la Bretagne est dans cela très intéressant, en Bretagne, on a fait le choix inverse. On a dit, bon, l'eau, elle est polluée dans la nature par le modèle agricole, le modèle d'élevage, etc. On va apporter une technologie qui va permettre de purifier l'eau. Et du coup, ça rapporte plein d'argent. Parce que plus on a de machines, plus on a de technologies pour purifier l'eau, et plus ça coûte cher. C'est pour ça qu'à Grenoble, on va payer le mètre cube d'eau 1 euro, et en Bretagne, 7 euros dans les zones les plus compliquées. Et donc il faut absolument que dans l'action qu'on mène avec les citoyens, on puisse refaire ce lien entre l'eau dans la nature, entre l'eau qu'on a au robinet et l'eau qu'on rejette dans la nature, pour faire en sorte qu'on ait l'ambition à la fois d'avoir une eau pure dans la nature, de faire en sorte de rendre le coût du service, le coût de l'accès le plus faible possible, et qu'ensuite on trouve les moyens de traiter l'eau soit par les plantes, soit par les usines, etc., mais la rendre à la nature dans un état le plus correct possible. Et si on imagine ce cercle vertueux, parce qu'évidemment quand on parle du cycle de l'eau, on est quand même dans cet espace de cercle vertueux,
On peut très bien l'imaginer dans un cadre d'économie de moyens et pas dans un cadre de concurrence, de compétition de prix. Et si on réussit à faire ça, on se donne une chance de réimaginer la place de l'eau dans les sociétés. Mais il faut s'éloigner pour cela du technologique, parce que le technologique nous fait oublier l'évidence de la construction de nos sociétés autour de l'eau. Oui, merci Emmanuel pour... Oui, merci Emmanuel pour avoir déjà clarifié toutes une série de choses. Moi, je voudrais dire à propos de ce qui a été mis en question, me paraît pertinemment par rapport à comprendre ce qui se passe, s'il y a bifurcation ou non. Moi, quand je parle de bifurcation, je parle d'une bifurcation qui est en cours de se faire. Moi, je pense que nous sommes en face d'une grande rupture. Les quatre facteurs que j'ai énumérés sont des ruptures structurelles dans la manière de voir le monde. Elles n'existaient pas avant. Ce sont des choses comme vision du monde, de la vie, qui est complètement nouvelle. Quand vous avez une société qui peut penser, qui peut breveter les vivants, qui peut devenir propriétaire du vivant, c'est plus la gestion de l'eau des Égyptiens, des Romains, des Basileurs, ou bien de la révolution industrielle britannique avec tous ces canaux, tous ces... Non, c'est tout à fait différent. Le monde a changé. Et même la notion de rivalité et discussion a changé. On parle de notre monde. D'ailleurs, c'est vrai que le mot rivalité, vous le savez d'où il vient, non? Il vient de riva, latin riva. Riva, c'est l'autre côté, la rive. Le rival, c'est celui qui est d'autre côté du fleuve, non? De l'autre côté du lac. Et donc, c'est vrai que l'eau n'a jamais été nécessairement l'élément de paix, l'élément de solidarité, a été toujours objet. Mais ce monde-là, jusqu'à il y a 50 ans, après la Deuxième Guerre mondiale, dans le monde président, il y avait tout. Il y avait des sociétés qui avaient une culture de l'eau bien commun, il y avait des sociétés qui avaient une culture des fleuves comme élément de union plutôt que des unions, il y avait des économies qui pensaient que c'était un bien commun, d'autres qui pensaient que c'était une marchandise, il y avait des États qui étaient favorables à la privatisation, l'Angleterre l'a été toujours, alors que d'autres États étaient favorables au public. Les Français ont inventé que ce n'est pas de la privatisation parce que c'était simplement la privatisation de délégation à sujet privé des services publics. Il y avait tout. Il y avait des gens qui considéraient que les fleuves étaient sacrés, d'autres qui les considéraient une cloaque, etc. Donc, il y avait tout, toutes les conceptions sur l'eau étaient dans le fleuve de la société. Et puis, on a bifurqué maintenant. Maintenant, la majorité ne considère plus. La majorité est de dire l'eau n'est pas un bien commun. L'eau est rivalité. Et c'est pour cela que la compétitivité, on doit créer des marchés compétitifs de l'eau. Moi, j'avais créé le groupe de Lisbonne dans les années 90 et on avait fait un rapport sur les limites à la compétitivité. Et j'avais fait ces rapports et les groupes contre mon président, qui était Jacques Delors, qui avait fait un rapport croissance, compétitivité, emploi. Et qui disait que la croissance est l'objectif fondamental économique et qu'il faut être compétitif. Parce qu'il n'y a pas de croissance sans compétitivité sur les marchés mondiaux. Et ce n'est pas par hasard que Pascal Lamy, son chef de cabinet, est devenu directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Et c'était l'idée qu'alors si on est compétitif, on crée de l'emploi. Tout faux. Tout faux. Et comme exemple, au rapport final du Limits to Competition, nous avons écrit, le groupe de Lisbonne, a écrit qu'il fallait, au contraire, donner la priorité au bien commun, et on a donné l'exemple de l'eau. Donc, tout cela existe. Et alors, aujourd'hui, par exemple, je ne suis pas sûr qu'encore, dans quelques générations, le Gange sera considéré un fleuve sacré en Inde. Parce que les dirigeants indiens s'en foutent de peur du mot. Ils doivent le dire, oui, le président indien
Il est hindouiste, donc il doit dire que le Gange est un fleuve sacré. Mais il fait le contraire. La population des Maori en Nouvelle-Zélande a obtenu, chose rare, que leur fleuve soit considéré sacré. Aujourd'hui, il y a 3 mois. Mais c'est une perle exceptionnelle. C'est une mouche blanche. Tout le reste, c'est la bifurcation. Et c'est un phénomène récent. C'est pour cela que je ne suis pas pessimiste. C'est-à-dire qu'on peut arrêter ça. Cette bifurcation n'existe pas depuis 100 ans. C'est déjà pratiquement impossible à changer. Mais les nouvelles, 40 ans, elle est liée, comme toi aussi tu disais. Peut-être que ce n'est pas une correction, mais aujourd'hui la bifurcation a atteint l'eau. Aujourd'hui, les entreprises privées te font payer l'eau parce qu'on a monétisé l'eau. Et la grande institution en avant-garde sur la définition des coûts environnementaux, sociaux et économiques de l'eau, c'est la Commission européenne qui calcule le prix d'une protéine, le coût d'une plante dans le fleuve. Aujourd'hui, on commence à te dire l'eau du Rhône à un prix différent que l'eau du Rhin, etc. C'est ça le water pricing. Et le water pricing signifie aussi la bancarisation de l'eau. Et cette bancarisation de l'eau, l'eau a une valeur marchande, c'est plus le service. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est pourquoi nous, comme Université du bien commun, nous voulons proposer ce débat. Nous voulons proposer qu'on aille faites des recherches, des conférences comme ceci, pour essayer de trouver la manière de déconstruire toute cette bifurcation, et puis de trouver les moyens d'action concrètes pour arrêter cette bifurcation, pour faire en sorte qu'on fasse des digues, des barrages, où la bifurcation va mourir de sa belle mort. Quoi. Hein? C'est vrai que l'exemple que tu donnes sur la Nouvelle-Zélande, mis en lien avec le changement climatique, peut-être qu'on a des opportunités, c'est-à-dire que le monde change. Et du coup, la place de l'eau, c'est vrai que quand on parle changement climatique, on parle sécheresse, tempête, ouragan, etc. Et l'eau est toujours présente. Et peut-être que le changement climatique est une opportunité justement pour voir l'eau autrement et faire en sorte que cette bifurcation nouvelle soit plus rapide que l'autre. En tout cas, on va peut-être vous proposer une petite pause, 5-10 minutes, et puis on va enchaîner avec Jacques et Jean-Pierre pour élargir le débat à la fois aux collectivités et à la question de l'éducation. Donc on s'arrête 10 minutes et on reprend. À tout de suite. Vous l'avez peut-être pas remarqué, mais Célia Blouel, qui est adjointe à la maire de Paris, et qui est en charge des eaux de Paris, n'a pas pu se joindre à nous parce qu'elle a dû partir d'une manière expresse à la COP de Bonn, la COP 23. Voilà, en tout cas, elle nous exprime ses meilleures pensées pour la réussite de cet après-midi de réflexion. Merci. On propose maintenant, donc il va se partager entre la dynamique des collectivités et la dynamique de l'éducation. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Jacques Perreux, qui est un élu de longue date. Ricardo l'a évoqué avec vous tout à l'heure, un élu de longue date écolo et spécialisé sur la question de l'eau, qui a notamment participé à la création du Festival de l'eau dans le Val-de-Marne, que certains d'entre vous connaissent certainement et auquel on a été associé pendant de longues années. Et je trouve que c'est important que tu nous expliques un petit peu ton engagement, la façon dont les choses se sont passées, et comment, en même temps que cette bifurcation se mettait en œuvre, sur le plan international et notamment en lien avec les États, dans le même temps, il y a eu des mobilisations citoyennes très importantes et des évolutions, notamment en France, d'engagement citoyen pour faire pression sur ces collectivités, faire en sorte que on a un grand nombre de retours en régie publique. On a des choses assez anciennes, tu vas nous raconter, mais des choses aussi très récentes dans lesquelles on est impliqué. Tu es actuellement élu du T12, tu nous expliqueras ce qu'est le
T12. Mais pour le coup, voilà, il y a vraiment des choses qui sont en train de se passer, des mobilisations citoyennes qui sont en train de se passer. J'étais moi-même sur Manosque hier, où il y a des groupes militants qui sont en train de s'organiser pour essayer d'avoir le retour en régime public. Donc voilà, derrière cette réalité-là, qu'est-ce que tu peux nous en dire et qu'est-ce qu'il faut espérer et comprendre de ces mobilisations citoyennes? Ok, ben merci Emmanuel. Bonjour, je vais me présenter en quelques mots pour dire que tout petit, j'ai été touché par le virus de Ricardo dans les années 90. Tout petit, oui. J'étais pas élu à l'époque et j'ai eu la chance, je m'intéressais à la question des biens communs, donc c'était un de mes maîtres à penser, je ne connaissais pas encore à l'époque. J'ai dû te rencontrer pour la première fois en 93 ou 94. Et puis j'ai eu la chance de devenir élu, et puis je vais vous passer les étapes, et de devenir vice-président du Conseil général du Val-de-Marne. Et quand on devient vice-président du Conseil général, c'est comme quand on devient ministre, on n'est pas toujours, on ne sait pas toujours quel portefeuille on va avoir. Et moi, il se trouve que j'ai écopé, non pas du ministre, d'un portefeuille qui ne m'intéressait pas, on a pu avoir la voirie et les circulations, mais j'ai eu l'eau et l'assainissement dans un département qui avait un service public très puissant de 350 personnes, et que donc j'ai dirigé ce service public. Donc, je ne vais pas du tout porter la contradiction à Ricardo, mais je vais compléter par une chose, c'est-à-dire qu'on peut émettre l'hypothèse, c'est ce que je veux essayer de montrer, que cette bifurcation dont il a parlé, elle est peut-être à la source du divorce qu'il y a entre la société civile et les grandes élites de ce monde. Ils ont provoqué, ils ont pensé cette bifurcation, et on voit bien que, de façon quasiment concomitante, on a des phénomènes dans la société qui contredisent cela, qui s'opposent à cela, et de façon plutôt plus forte aujourd'hui qu'au début où la bifurcation commence. Ricardo a terminé son exposé en disant « Je voudrais bien convaincre tous les maires du monde entier d'agir pour l'eau bien commun. Il se trouve, et tu ne le dis pas par hasard, évidemment, Ricardo, il se trouve que ce pouvoir-là, sur l'eau, c'est les maires qui l'ont. C'est-à-dire que tout maire qui veut faire bien commun de l'eau, le peut. Il en a encore le pouvoir politique, même si on peut penser que dans le cadre notamment de la métropole du Grand Paris, ce pouvoir-là peut leur être enlevé. Il y a une bataille actuellement pour le leur enlever, mais ils ont ce pouvoir. Donc, je vais faire mon exposé quand Ricardo hier soir m'a rappelé que je devais plancher aujourd'hui, je commençais à écrire la chose, et puis je me posais la question en même temps, mais qu'est-ce que je vais dire après Ricardo? Alors je vais vous dire ce que je vais dire. Je vais, dans une première partie de mon exposé, montrer, peut-être que pour certains ça sera des portes ouvertes, montrer que lorsque les multinationales de l'eau nous fabriquent notre eau, quoi, nous distribuent notre eau, ils nous prennent autre chose que notre argent. Et dans une deuxième partie de l'exposé, je vais raconter une lutte. Alors, le territoire T12, j'en parlerai. Le territoire T12, c'est le territoire Grand Orly, Seine-Bièvre, un territoire de 750 000 habitants, le plus grand des territoires de la métropole parisienne, hormis Paris. Il y a 12 territoires dans la métropole, et donc qui regroupe un certain nombre de communes. Et le territoire T12, c'est le territoire qui regroupe 24 communes du Val-de-Marne et en partie de l'Essonne. En partie du Val-de-Marne, en partie de l'Essonne. Et pour vous fixer les idées, il y a Vitry, il y a Ivry dedans, il y a Orly, il y a toute la vallée de la Bièvre, Arcueil, Cachan, Villejuif, Kremlin-Bicêtre. Et dans l'Essonne, il y a Viry-Châtillon, Adismons, etc. Donc voilà, j'en viens donc au fait. Alors souvent, quand nous disons que l'eau ne doit pas être marchandisée, les gens entendent que l'on ne devrait pas faire de l'argent avec l'eau. Et ils ont tout à fait raison. J'ai calculé, étant élu de Vitry, dernièrement, j'ai calculé les bénéfices que chaque famille vitriote, durant une vie, verse, je parle bien des bénéfices, des dividendes, verse
aux représentants de Veolia, puisque Veolia, c'est Veolia qui a le contrat de délégation de service public dans cette ville. 3 000 euros. Alors on peut se dire, c'est pas énorme sur toute une vie, mais quand on compare à, pour des familles qui sont au SMIC, c'est 3 SMIC, pour des familles qui sont au RSA, c'est 6 RSA, 6 mois. Et puis évidemment, si on cumule au niveau d'une ville, c'est 90 millions d'euros par an, par exemple, qui sont substitués de la poche des usagers, des contribuables. Voilà. On se fait donc voler notre argent pour un bien. On se fait voler bien plus que de l'argent. Et la marchandisation de l'eau est une chose, est autre chose qu'un simple racket de ce bien indispensable à la santé et à la vie, bien sûr. Je vais avoir beaucoup de mal à me relire, parce que j'ai écrit ça très vite, mais je vais y arriver. Donc, que nous veulent-ils d'autres? En quoi sont-ils nuisibles? Quel est ce bien commun et quelles en sont ses caractéristiques? Il y a, je dis souvent, moi, il y a mille façons de caractériser l'eau. On peut la caractériser du point de vue de ses propriétés chimiques, du point de vue de ses états physiques, du point de vue de ses usages. Mais il y a quatre caractéristiques qui me semblent essentielles. On peut aussi dire que cette trace d'eau qui est sur mon doigt ou qui est dans chacun de nos corps a fait des multiples voyages autour du monde depuis qu'elle est eau. Vous savez ça, c'est toujours la même eau. Donc quatre caractéristiques qui vont contribuer, à mon sens, dans l'histoire de l'humanité, a donné naissance à une valeur, qui est la valeur solidarité. Donc ces quatre caractéristiques, elles viennent de... c'est les suivantes. Elle est indispensable à la vie, Ricardo l'a rappelé, et il y a des millions d'êtres humains qui n'ont pas accès à cette chose et qui en meurent. C'est donc, comme elle est indispensable à la vie, un droit fondamental de l'homme. Évidemment, il a fallu attendre 2010, le 28 juillet 2010, à l'ONU pour que ce soit reconnu comme un droit, mais dans l'histoire de l'humanité, elle a fonctionné le plus souvent comme un droit. Et elle a été l'objet de comportements de solidarité, y compris, il y a les rivaux et les riverains dans l'eau. Et le plus souvent, même quand on a commencé à être rivaux, on a fini par être riverains. C'est-à-dire à faire la paix autour de l'eau. C'est-à-dire que je crois que l'eau a plus provoqué de coopération, tu citais Hervé Kahn tout à l'heure, que de conflits. Le bon sens conduit à s'entraider et à se partager les choses. La deuxième caractéristique, c'est que l'eau est un don de la nature, qui n'appartient à personne en particulier et qui nous appartient à tous. C'est donc, comme on dit, un bien commun, et qu'elle nous conduit pour ses usages. Alors c'est visible, beaucoup plus visible en Afrique ou en Afrique du Nord, dans les oasis, qu'on en est conduit à réguler les partages et alterner les utilisations de l'eau pour que tout le monde puisse en profiter. Mais dans l'histoire de l'humanité, elle conduit à des comportements de solidarité. La troisième caractéristique, c'est que toutes les eaux, nous le savons, elles communiquent. On peut même dire qu'on n'a qu'une seule eau, en définitive. C'est-à-dire tous les océans, toutes les rivières, toutes les nappes phréatiques communiquent les unes entre les autres. Et nous savons, peut-être moins bien aujourd'hui que ceux qui vivaient il y a des millénaires avant nous, mais nous savons que si nous nous comportons mal vis-à-vis de la rivière qui coule sous nos... vis-à-vis de la Marne, pour par exemple les Val-de-Marne, on sait que ça a des conséquences sur ceux qui vont vivre à côté de la Seine ou qui vont vivre dans la mer de la Manche ou de la mer du Nord. C'est donc cette caractéristique-là, elle nous conduit à être solidaires de ceux, évidemment, qu'on connaît, mais aussi de ceux qu'on ne connaît pas. Puis la dernière caractéristique, c'est que c'est toujours la même eau que nous buvons et que nous rejetons. Je disais souvent aux enfants du Val-de-Marne, quand on faisait, quand on faisait encore l'éducation à l'eau dans ce département, vous avez bu ce midi le pipi des diplodocus, des dinosaures. C'est toujours cette eau, c'est toujours la même eau depuis la nuit des temps. Quoi. On n'invente pas de l'eau.
L'eau, elle sert indéfiniment, on en use et on fait en sorte de la nettoyer. Et donc, on l'a, pour paraphraser Saint-Exupéry, on n'hérite pas de l'eau de nos ancêtres. On la lègue aux générations suivantes. Ça nous conduit donc à être solidaires de ceux qui vont venir après nous. Donc, je n'ai pas besoin de développer ici que dans les conseils d'administration de Suez ou de la Lyonnaise, de Suez ou de Veolia, on ne parle pas de développement durable, on ne parle pas des générations futures. Imaginez que dans un conseil d'administration de la Lyonnaise des Eaux, il y a un hurluberlu qui soit actionnaire et qui détienne un portefeuille énorme et qui dise « Oh, mais au fait, qu'est-ce que va devenir l'eau dans 40 ans ?» Tout le monde le regarderait en lui disant « Mais on n'est pas en train de parler dans 40 ans, on est en train de parler des dividendes qu'on va recevoir à la fin de l'année. » C'est pas leur jeter la pierre, ils n'ont pas investi pour l'eau, pour sa qualité, pour la santé, etc. Ils auraient pu investir ailleurs, ils ont investi dans ce domaine. Et je veux dire, la chose suivante, c'est qu'on a inventé dans l'histoire humaine quelque chose qu'on appelle service public maintenant, mais qui, avant même la notion de service public, s'appelait autrement, mais on a inventé précisément des services publics pour faire fonctionner entre nous la solidarité et l'égalité entre les citoyens, et donc les services publics de l'eau. En fait, donc, la marchandisation par les multinationales nous prive de faire fonctionner la solidarité autour de ce bien commun pour en partager les usages, mais pour partager aussi la protection et la préservation de cette ressource. Je pense, concernant les biens communs, que si nous n'avons pas en plus la conscience qu'ils sont des biens que nous avons en commun, et si nous n'avons pas en plus les pratiques régulières, celles qu'évoquait tout à l'heure Ricardo, quand tu parlais par exemple de l'eau de pluie, c'est un des exemples, mais si nous n'en avons ni la conscience ni les pratiques régulières, franchement, le bien commun en question est quelque chose de très abstrait. Et il est quand même beaucoup, beaucoup moins bien commun que si on en a conscience et que si on en a la pratique dans la vie régulière. Donc la marchandisation de l'eau nous dépossède de notre citoyenneté de l'eau, elle nous déresponsabilise des devoirs que nous avons vis-à-vis de la nature et de l'avenir de l'humanité, elle centralise les décisions qui ainsi nous échappent, elle dévitalise des qualités et des réflexions et des réflexes humains. Et c'est une vraie bataille de l'eau, bataille pour reconquérir nos responsabilités, notre citoyenneté, notre culture de l'eau que nous devons mener. Et je veux dire, qui se mène, c'est-à-dire qu'on voit bien que, de façon concomitante à cette bifurcation, en France et dans le monde, dans le même temps, dans la toute dernière période, on a 300 villes, et souvent des très grandes villes, qui se sont réappropriées la gestion de l'eau, et qui sont passées de la délégation de services publics à la SOR, à la Lyonnaise ou à Veolia, à des services publics. Bon. Le service public est donc beaucoup mieux de ce point de vue, parce que d'abord, il n'est pas vérolé par la recherche de dividendes. Il est le plus souvent animé, dirigé par des hommes et des femmes qui ont l'esprit service public, qui ont le sens de l'intérêt général. Bien sûr, il existe de par le monde, tu as évoqué l'Inde, je crois, des services publics de l'eau qui peuvent être gérés de façon bureaucratiques et qui peuvent être corrompus. Le fait d'être service public n'évite pas en soi la corruption, les pots de vin, etc. Il y a des tonnes, pas des tonnes, mais enfin, beaucoup, beaucoup, des kilos de livres qui ont été écrits sur le sujet. Mais même, je veux dire, lorsque le service public est géré, on va dire, de bonne façon, on se comprend, par des élus qui sont, on va dire, qui sont preuve de probité, et par des fonctionnaires, des agents qui ont le sens du service public chevillé au corps, comme des infirmières peuvent l'avoir dans les hôpitaux, cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas pour se confronter à la question qu'a abordée Ricardo. Je veux dire par là que le service public, ce n'est pas une finalité, ce n'est pas un but en soi. C'est un moyen, c'est un outil. Et selon moi, puisque j'ai eu la chance d'avoir en charge ce service-là, ça doit être l'outil de la réappropriation sociale des biens communs, du bien commun en question de l'eau. C'est pour cela, d'ailleurs, que dans le Val-de-Marne, s'est créé le Festival de l'eau, qui a rassemblé chaque année 150 000 personnes autour d'une
éducation à l'eau, d'une sensibilisation à l'eau, de la compréhension des diverses cultures de l'eau qui existent de par le monde. Chaque année, il y avait un fleuve différent qui était invité dans le Val-de-Marne. Donc une année, c'était le Niger, le Saint-Laurent au Canada, les fleuves du Vietnam, etc. C'est pour cela aussi que s'est créée dans le Val-de-Marne l'éducation à une nouvelle culture de l'eau des collégiens, avec plus de 20 000 collégiens qui, pendant une semaine, planchaient sur l'eau à partir de la compréhension et de la connaissance de leur territoire, Seine et Marne, et sa confluence. L'université de l'eau et les mardis de l'eau, dans le Val-de-Marne, je ne veux pas dire que... Un petit peu. De toute façon, tu nous as aidé à mettre ça sur pied, Ricardo. Il y avait une université du bien commun, qui était l'université de l'eau, avec les mardis de l'eau. Chaque mardi, on planchait sur l'eau. Il y a eu 150 ou 200 grands experts de l'eau qui sont venus plancher devant un public, souvent d'ailleurs très, très populaire. Donc, le service public est un outil de la démocratisation, des savoirs, de la compréhension des enjeux, de la responsabilité. Le rôle du service public de l'eau, à mon sens, et d'associer les citoyens et de les faire participer aux décisions. Je le dis parce qu'on est à Paris, donc où il y a un service public de l'eau, c'est une des grandes villes de ce monde où l'eau est gérée en service public, et ça a fait l'objet d'une très grande bataille. Mais si nous voulons être les citoyens et les citoyennes du monde plus fraternels, il faut être acteur de la protection et du partage de l'usage de ces biens communs. Tout cela coûte de l'argent, je le dis moi en tant qu'élu, on me l'a souvent reproché. L'éducation, la sensibilisation, la mise en scène des conflits et leur résolution. Je parle des conflits, il y a des conflits autour de l'eau, même en milieu urbain. Il y a des conflits autour de la Marne entre les pêcheurs et ceux qui font du ski nautique ou ceux qui font du bateau. Et il faut mettre en scène ce conflit-là pour arriver à dépasser le conflit et à comprendre comment on peut faire bien commun autour de cette question. Le Festival de l'eau dont je vous parlais tout à l'heure, avec le travail en direction des collégiens et l'Université de l'eau, coûtait chaque année 2,5 millions d'euros. Sur un budget de 300 millions d'euros. J'ai toujours dit, moi, à mes collègues conseillers généraux qui me reprochaient cette dépense, pour certains c'était une dépense qui était inutile, j'ai toujours dit que c'était vraiment le meilleur investissement que pouvait faire le service public. Parce qu'à partir de cela, évidemment, on a aussi une appréhension économe de l'eau, aussi bien de l'usager lambda que du point de vue de la collectivité. La deuxième chose que je veux vous faire partager, c'est cette bataille qui est en train de se mener actuellement. Elle ne défraye pas la chronique, encore qu'il y a, bon, il y a des articles dans les journaux spécialisés. Bon, pour ceux qui sont de la banlieue, ils savent, ou ils ne savent pas, mais en tous les cas, l'eau est gérée par un syndicat qui s'appelle le CEDIF. Le CEDIF, c'est un syndicat de services publics. Il est dirigé par un homme qui s'appelle André Santini, qui est le maire d'Issy-les-Moulineaux. Il est dirigé depuis très très longtemps par lui. Et ce syndicat, créé il y a presque 100 ans, a délégué depuis presque 100 ans la gestion de l'eau sans discontinuer à Veolia. C'est le plus gros contrat mondial de l'eau, pour l'eau. C'est le plus gros contrat. 150 communes, 4 500 000 habitants de l'Île-de-France consomment de l'eau qui est produite par Veolia. Depuis 100 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Évidemment, à chaque fois que le contrat doit être renouvelé, vous pensez bien que, bon, je ne vais pas du tout jeter la pierre à, je sais pas, à la petite ville de Tarnos dans les Landes qui a abandonné la Lyonnaise des Eaux. J'avais été planché avec Daniel Mitterrand à l'époque pour convaincre la population et les élus qu'il fallait rompre le contrat. Mais c'était un contrat de, je ne sais plus, Tarnos, il doit y avoir 10 000 habitants. Ils ont rompu le contrat, la Lyonnaise des Eaux continue à vivre et comme ça va, quoi. Là, c'est le plus gros contrat pour Veolia. Donc évidemment, il y a une valeur et quantitative et une valeur symbolique. Si le plus gros contrat venait à disparaître pour Veolia... Qu'est-ce qui se passe aussi ? Il se passe qu'à force de déléguer l'eau
à une multinationale, les élus qui délèguent, ben d'abord sont morts, les premiers, hein. C'était il y a 100 ans. J'ai calculé que dans je ne sais plus quelle ville, il y a eu, comme partout, 18 élections municipales depuis 1900 et quelques, là, et 15 maires. Et qu'est-ce qui se passe dans ces villes ? Ben, le dernier maire, quand on lui dit qu'il pourrait passer en régie publique de l'eau, il dit « mais tu n'y penses pas, il va falloir que je construise une usine et que je fasse des canalisations ». Il le dit de bonne foi, mais or, bah à force de déléguer, il a oublié, ou la mémoire de la ville a oublié, que l'usine lui appartient et que les canalisations lui appartiennent. Et qu'il n'a fait que déléguer la gestion de ce service à une entreprise qui pourrait l'avoir délégué à une autre. À tel point aussi que le fameux président du CEDIF, qui est le maire, donc député, maire, etc., ultra-libéral, qui a, soit dit en passant, il est tellement ultra-libéral qu'il a confié au privé dans sa ville l'eau, bien sûr, les déchets, bien sûr, l'électricité à une société, bien sûr, mais aussi la gestion des ressources humaines de sa municipalité, c'est-à-dire que les fonctionnaires sont gérés, leurs ressources, les ressources humaines, la promotion, la formation, etc., les salaires sont gérés par une entreprise privée. Vous voyez que ça, c'est vraiment un dur à cuire. Et à tel point, il y a délégation et confusion entre le public et le privé, que le fameux Santini, il y a quelques années, a écrit à l'ensemble des maires, des 144 maires à l'époque, aujourd'hui 150, leur faisait une lettre pour leur dire que c'était vraiment bien la façon dont ils faisaient. Et au lieu d'écrire cette lettre sur du papier en tête du CEDIF, ben il s'est trompé. Et il n'a plus de tiroir de gauche, et il a écrit cette lettre sur en tête de Veolia. Si, bien sûr, si, bien sûr. Bien. Voilà. Gilles, si vous voulez. Voir cet exemple en vrai, je vous invite à trouver sur internet le film Water Makes Money, et c'est dedans. Vous pourrez lire vous-même cette lettre signée Santini sur papier en tête Veolia. Par contre, Jacques, je te demande de raccourcir un petit peu pour qu'on ait 5 minutes pour d'accord. qu'on puisse. Il faut savoir qu'en 2010, le contrat de Veolia arrive à terme. Il faut donc que les élus délibèrent pour savoir s'ils renouvellent le contrat à Veolia ou s'ils font une régie. Il y a une grande bataille qui se mène dans toute la région parisienne, très intéressante, avec beaucoup de débats. La coordination eau Île-de-France se crée à cette occasion, avec l'aide de la Fondation France Liberté. La gauche est majoritaire dans le CEDIF. Tous les élus, interrogés dans des assemblées publiques, etc., jurent la main sur le cœur qu'ils vont mettre fin au contrat de Veolia et qu'ils vont choisir la régie comme ils en ont le pouvoir. Et le jour du vote, M. Santini impose le vote à bulletin secret. Et il manque 15 voix de gauche, d'élus communistes et socialistes, il faut dire les choses, et pour une part, je les connais bien personnellement, ceux-là, qui, dans le secret de l'isoloir, renouvelle le contrat. Alors, pourquoi ? Faut le leur demander. Mais on peut avoir une hypothèse. On peut avoir une hypothèse que lorsqu'il y a 500 millions d'euros sur le tapis vert, celui qui va ramasser les 500 millions d'euros est prêt à en dépenser quelques-uns pour remporter le marché. Si vous faites l'expérience vous-même, si vous avez 10 000 euros gagnés, vous êtes prêt à gagner 1 000 euros pour gagner les 10 000. Il vous en restera 9 000. Bon, en ce moment, donc je raconte quand même ce qui se passe en ce moment, parce que le fil rouge de cette bataille qui est en train de se mener, donc, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que la loi NOTRe, peut-être dont vous avez entendu parler, qui est la loi qui a donné naissance, donc, à la métropole de Paris et aux 12 territoires de la région parisienne, dans la loi NOTRe, il y a une faille que le législateur n'a pas vue et que nous avons vue.
que nous avons vu, que nous sommes quelques-uns à avoir vu, et qui montre, qui dit que, puisque les territoires prennent la compétence eau à la place des communes, ils doivent réadhérer au CEDIF. Ils doivent faire acte d'adhésion au CEDIF avant le 31 décembre 2017, c'est-à-dire maintenant dans quelques jours. Et entouré d'avocats, qui ont été payés d'ailleurs par le territoire T12, puisque j'ai imposé que ça soit payé par le territoire T12, il n'y avait pas lieu que ça soit payé par des associations, les avocats nous ont donné raison, et de plus, ont donné raison à une deuxième hypothèse, c'est que les communes qui le veulent, le territoire réadhère pour les communes qui le veulent, et le territoire peut ne pas réadhérer pour les communes qui ne le veulent pas. C'est-à-dire que cette loi qui faisait que, jusqu'à présent, dans le CEDIF, une commune qui voulait sortir du CEDIF ne le pouvait pas. Pourquoi elle ne le pouvait pas? Parce qu'il fallait que 66% des communes, des 150 communes, disent « d'accord, tu peux sortir ». Jamais ça ne s'est produit. Une fois. Oui, une fois. Une fois, tout à fait. Et donc, voilà, on a démontré cela. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite? D'abord, tu me dis d'aller vite. Je voulais montrer, tant pis, je ne le montrerai pas, que toute cette bataille que nous menons maintenant depuis un an, on la mène à la fois sur les valeurs fondamentales de l'eau bien commun. On la mène surtout en essayant de trouver à chaque fois des majorités qui touchent à la liberté démocratique, enfin à la liberté et à la souveraineté des communes. On a, comme je suis président d'un groupe, je me suis adressé aux quatre autres groupes de gauche en leur proposant que, bon, quoi qu'on pense, s'il faut être en service public ou pas en service public, quoi qu'on pense de cela, faisons des études pour voir si, jamais, si on choisissait le service public, quels en seraient les avantages. Tu n'es pas obligé d'être pour le service public, on fait l'étude seulement. On a réuni une majorité là-dessus. On a fait les études. Les études ne sont pas totalement convaincantes, je vous le dis. Pourquoi? Parce que quand 150 communes sont connectées entre elles depuis 100 ans, celui qui veut sortir, eh bien, il doit se détacher, se déconnecter de tout le réseau. Et évidemment, ça a un coût. Ça a un coût. Pendant 100 ans, notre argent a financé les connexions. Évidemment, si on sort du jour au lendemain, ça coûte de l'argent. Et Santini a eu vent de ses études, il n'est pas idiot, et a fait une lettre à tous les élus il y a quelques semaines, c'était il y a 3-4 semaines, pour dire ça va vous coûter les yeux de la tête, restez bien au chaud au CEDIF et ne vous laissez pas manipuler par une minorité agissante. C'était de nous qui parlait, minoritaire agissante, animée par une idéologie de la rupture intercommunale. Évidemment, on n'est pas pour la rupture intercommunale, au contraire, on est pour la coopération intercommunale. Et donc, il a fait cela, on a réagi, non pas en le contredisant, mais en disant à tous les élus, aux 140 élus, en disant, voilà, on a fait des études, elles ne sont pas totalement concluantes, mais elles ne sont pas totalement concluantes parce qu'on n'a pas bien étudié les bons périmètres. Si on se donne 2 ans de plus pour étudier les périmètres opérationnels, au-delà des idéologies des uns et des autres, mais les périmètres hydrologiques, la piézométrie, etc. Alors peut-être qu'au bout de 2 ans, on démontrera que c'est possible de le faire. Donnez-nous 2 ans. Ils ne voulaient pas nous donner 2 ans. On a, à l'occasion des élections sénatoriales, fait jamais vu en France. 200 élus de la région parisienne se sont adressés à toutes les listes sénatoriales en disant, les élus de gauche, et se sont adressés aux candidats de gauche, en leur disant, on ne votera pour vous que si, à l'occasion, avant les sénatoriales, vous prenez l'engagement de vous battre pour le service public et la non-réadhésion au CEDIF. On a obtenu globalement de la plupart, enfin de la plupart des listes, de la totalité des listes, d'une façon un peu différente selon les cas, cet engagement-là. Ça a donné du rebond à notre bataille, et aujourd'hui, on en est donc à la fin de cette première bataille, c'est que le Santini en question a été obligé d'accepter les 2 ans. Donc nous avons 2 ans de réflexion, de travail, de mobilisation citoyenne pour imposer ce nouveau modèle alternatif et du point de vue de l'écologie, du point de vue de la citoyenneté, etc. Je termine par une chose, donc on a ces 2 ans.
Maintenant, on renverse les choses, toujours du point de vue de la démocratie, et on dit aux communes qui avaient dit qu'elles, elles ne voulaient pas aller en service public. On leur dit, maintenant, vous seriez bien bêtes de ne pas profiter, vous aussi, des 2 ans. Ce temps-là ne nuit à personne, il peut profiter à tout le monde. Et on va le dire publiquement à la population aussi, de dire, vos maires doivent profiter des 2 ans, pourquoi ils fonceraient tête baissée ? Qu'ils profitent des 2 ans, de ne pas être adhérents du CEDIF. Pendant ce temps-là, les contrats continuent à marcher, etc. Les gens continueront à avoir de l'eau, sauf qu'on aura 2 ans. On peut penser qu'on a gagné cette bataille des 2 ans, à la fois sur la question de l'eau, à la fois sur la question, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer ça par rapport à ce que tu disais, Ricardo, c'est que cette grande bifurcation, elle se produit aussi à un moment donné où les gens ont conscience, prennent davantage conscience d'abord de leur santé, de celle de leurs enfants. Et on voit bien que tous les scandales... Moi, j'ai eu la chance de faire un débat à la radio le jour où on révélait, plutôt au grand public, toutes les magouilles de Monsanto sur les études, le bidouillage des études. Et évidemment, j'ai eu le beau jeu de dire à mon contradicteur des Républicains, qui était vice-président du CEDIF, de lui dire, mais... C'est la même chose dans le domaine de l'eau, c'est-à-dire que les scandales, si vous allez sur Internet et que vous tapez « scandale » et « Veolia », vous allez voir comment ça défile, hein, la Roumanie, les États-Unis, la France, etc. Donc, je crois qu'on a gagné aussi parce qu'il y a une méfiance populaire vis-à-vis des agissements qui sont des agissements dans le secret, l'affaire du diesel, l'affaire du glyphosate, etc. Et puis la troisième chose pour laquelle on gagne, qui me semble la plus importante de toutes, moi, c'est qu'à chaque fois, on a essayé de faire fonctionner d'abord le réflexe démocratique et la volonté de démocratie de la part des gens, et y compris des élus. Et toute dernière chose, c'est la dernière bonne nouvelle, je ne sais plus si je l'ai donnée hier à la coordination ou par Internet, c'est qu'un des vice-présidents du CEDIF, le maire de Choisy, on peut le dire parce qu'il va le dire lui-même, qui s'opposait fermement au fait de quitter le CEDIF, maintenant que la décision est prise des 2 ans, il dit, mais moi aussi, je vais jouer le jeu, je veux bénéficier des 2 ans pour, ben oui, pourquoi pas. Si vous démontrez que le service public est plus compétent, plus avantageux au point de vue économique, plus intéressant au point de vue écologique, ben pourquoi pas. Ah, peut-être une toute petite précision pour que tout le monde comprenne bien, parce que tu as évoqué le fait de sortir du CEDIF et donc les surcoûts qu'il pouvait y avoir pour une commune qui voudrait sortir du CEDIF, mais il ne faut pas exclure la possibilité qu'à un moment donné, le CEDIF devienne une régie publique. Et c'est vrai que c'est ce combat-là qu'on mène avant tout. Et c'est si il n'y a pas d'accord majoritaire pour que le CEDIF soit une régie publique, à ce moment-là, il y a des collectivités qui en sortiront. Mais les 2 années qui s'ouvrent devant nous, c'est une formidable opportunité de convaincre et de faire en sorte que la régie puisse avancer. Peut-être qu'il y aura des le renouvellement du contrat a lieu en 2022. Oui, c'est ça. Ça nous laisse un petit peu de temps. Il y a 2 ans de réflexion pour réadhérer ou pas. Et puis ensuite, ça viendra. Vous aurez probablement des questions sur le sujet. On y reviendra tout à l'heure dans l'espace de questions. Sans attendre, je vais laisser la parole à Jean-Pierre Vauquier, qui est président de H2O Sans Frontières, une association qui milite donc sur la coopération autour de l'eau en France et à l'international. Jean-Pierre est médecin, il est médecin du service public au CHU de Clermont-Ferrand, et c'est quelque chose qui est important, la notion de service public, parce que quand on parle d'eau, on a beaucoup parlé de service public cet après-midi. Et donc, non, je vais te donner ce micro-là. Non, c'est pour ça. Tu préfères la cycle économique, en lien ou en opposition avec le bien commun. On a abordé les questions de collectivité, de démocratie autour de la mise en œuvre du service public de l'eau. Maintenant, on va parler éducation, on va parler coopération. Moi, il y a un truc qui m'a amusé, comme j'ai passé très longtemps en Afrique. Une des premières fois que je suis rentré en France, j'ai rencontré des élèves dans une classe de grande section, je crois. Et donc, je leur ai demandé un petit peu voilà, ce qu'était l'eau pour eux. Et il y a un gamin qui m'a dit, bah, écoutez, moi, sans l'eau, j'ai pas de problème, parce que j'ai un réfrigérateur à la maison, et
c'est un réfrigérateur où on peut prendre l'eau et les glaçons, et de toute façon, c'est le réfrigérateur qui fabrique l'eau. Alors là, je suis tombé un peu de la chaise et j'ai essayé de lui expliquer qu'en fait, le réfrigérateur était branché, que derrière le branchement, il y avait une usine, à l'usine, il y avait une rivière, derrière la rivière, il y avait une ressource en eau et que l'eau, c'est un cycle. Et donc, derrière cette idée-là, voilà, dis-nous un petit peu comment toi, tu vois les choses et comment faire pour que nos enfants n'oublient jamais ce qu'est l'eau pour la planète et pour la vie. Oula, on en a pour longtemps. Bon, bonjour à toutes et tous, et puis merci Christina, merci Ricardo de m'avoir invité à ces moments toujours très agréables. Voilà, je peux te rassurer, ton gamin d'Afrique, c'est pas le seul au monde. Parce que si on va récupérer tout de suite, si on fait un test sur 100 personnes qui sont dans la rue là-bas, il y en a 80 qui ne savent pas que l'eau sont persuadés que l'eau se renouvelle. C'est un vrai problème, parce que je crois que c'est une base. Alors, monsieur là-bas tout à l'heure parlait de l'organisme. Voilà. Moi, je pense que si, pardonnez-moi pour le moment, mais je ne suis pas le seul à penser ça, mais si les enfants très petits, je pense particulièrement à l'âge où ils ont des connexions qu'il faut pour bien comprendre les choses, je pense aussi CE2, même avant, mais ils comprennent mieux les choses après, au niveau de CE2, CM1, si on leur dit ce que tu disais tout à l'heure, on ne leur dit pas, on ne les catéchise pas, mais on leur fait comprendre que dans ce verre, il y a la plus vieille antiquité qui existe sur Terre. 4 milliards 500 millions d'années. Ça, là, ce qui bouge, ça y a 4 milliards 500 millions d'années. Et que, comme tu disais tout à l'heure, c'est la même depuis. C'est-à-dire que cette eau, c'est une eau qui est exactement la même. Ça veut dire qu'on l'emprunte, qu'on l'utilise d'une façon diverse et variée, agriculture, abreuvage, etc. Et qu'on doit la restituer dans un état qui ne porte pas atteinte à tout ce qui est vivant sur Terre, et pas uniquement l'homme, mais tout ce qui est vivant, parce que ça ferait trop anthropocentrique. Et je crois que ça, un mot, il peut tout à fait comprendre ça de tout. Le deuxième élément important, c'est que la Terre, c'est un organisme comme notre organisme. Vous, monsieur, là, vous avez une rate, vous avez un foie, vous avez, comme tout le monde, on a tous la même chose. Et l'eau, c'est le solvant des relations entre tous nos organes pour que l'organisme fonctionne bien. C'est ce qui comporte tout ce qui permet le catabolisme, les anabolismes et tout ça. Et un monde de l'école primaire peut tout à fait comprendre ça. Et une fois qu'il a compris ça, il ne prend pas l'eau comme une marchandise banale, il le prend comme le sang, il le prend comme une hormone. On peut tout à fait expliquer ça. Et moi, je pense qu'il faut insister lourdement là-dessus. Et après, ça devient naturel. C'est-à-dire que si l'eau, et on l'explique tout à fait que pour qu'un organisme humain, ou pas humain, un animal, fonctionne correctement, il faut qu'il y ait cette symbiose entre tous les organes. Et qu'est-ce qui fait cette symbiose? C'est l'eau. Voilà, tout un tas de choses, mais l'eau. Voilà. Et ça, un môme, et moi je rêve, je ne sais pas dessiner, mais je rêve de faire un petit bouquin là-dessus. Et je crois que, moi je fais appel, s'il y a des gens qui savent dessiner, s'il y a des gens qui ont cette qualité, ben écoutez, on se voit dans un moment et on met ensemble. Je pense que le chantier de réaliser cette bande dessinée là-dessus, je crois qu'après, eh bien, tout naturellement, ils ne se poseront plus la question de l'eau marchandisée, parce qu'ils comprendront, mais qu'est-ce qu'on fait? On me pique. C'est comme si on marchandisait le sang, vous voyez là, ce que ça a fait à une époque. C'est la même chose. Et je pense qu'un môme peut tout à fait le comprendre, et surtout les mômes de la planète, on leur pose on les fait réfléchir là-dessus, hein, qu'on ne les catéchise pas. Je pense que justement l'eau sera prise d'une bien autre façon. Alors, l'eau, avant les techniques éducatives, j'en suis pas un spécialiste, mais je parle des techniques éducatives, mais je pense qu'elle est intéressante pour plein de raisons, source de vie, ce qu'on vient de dire. Et aussi, hein, quelque chose qui me paraît extrêmement important, c'est que c'est un élément rassembleur comme il n'en existe pas d'autres. Elle est multidisciplinaire, elle est agriculture, elle est économie, elle est santé, elle est science, elle est sport, elle est tout ce qu'on peut imaginer. Elle est aussi culture et spiritualité, ce qui fait qu'elle a une capacité de rassembler des gens différents extraordinaire dans un monde où on crève de l'hyperspécialité. Parce qu'aujourd'hui, dans notre monde, on est effectivement dans cette hyperspécialité qui nous fait oublier l'analyse globale des choses de la vie courante et de notre planète. Je crois que cette eau, il faut s'en servir pour ça. C'est une eau intéressante, eau du robinet, etc. Mais elle a l'intérêt de faire rencontrer des gens qui ne se rencontrent jamais. Et ça, c'est, me paraît très important. Et puis, si on se dit, voilà, il faut effectivement que l'eau,
faut qu'elle soit bien gérée, ça signifie qu'on intègre à nos sociétés des valeurs qu'elles sont en train de perdre. Et justement, c'est là justement qu'au niveau contenu éducatif, on doit pouvoir, on doit trouver des choses qui sont absolument indispensables. Alors, c'est une phrase qui est chère à Ricardo. Moi, j'ai trois maîtres. Hein. J'ai Ricardo qui est là, j'ai Albert Jacquard et j'ai l'abbé Pierre. Voilà, c'est mes trois maîtres qui me suivent partout. Ça, si je suis en Afrique, etc., j'essaye de concrétiser leurs idées. Par des actions dont je vous parlerai brièvement tout à l'heure. Alors, je crois que d'abord, on peut, selon son témoin, et on peut avec l'eau réussir un modèle éducatif de démocratie, et je crois que nos sociétés en ont bien besoin. D'abord, c'est abandonner l'individualisme et la compétition dans nos systèmes éducatifs. Alors, pas complètement, mais il faut abandonner cet excès. Et puis aussi, il faut que dans nos systèmes éducatifs, on amène l'intérêt collectif et faire en sorte que nos sociétés ne fonctionnent pas que par antagonisme. Il faut qu'on s'exerce le partage du savoir. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on vit, j'entendais tout à l'heure, on vit vraiment entre occidentaux. On a l'impression que notre monde, c'est que l'Occident. C'est pas vrai. Il y a un tas de gens qui ont des cultures différentes et je crois aujourd'hui, je suis même certain que le monde auquel nous aspirons tous doit se co-construire entre toutes les cultures du monde et pas uniquement entre les cultures occidentales. Et qu'il faut faire en sorte une sorte de tri sélectif et puis mettre en commun ce qui est le mieux dans les cultures qui ne sont pas les nôtres et les nôtres parce qu'on est aussi chez nous, faut pas qu'on verse dans le pessimisme, on a des choses très bien. Je pense que si on arrive à faire ce tri sélectif, on peut arriver à un monde nouveau que nous recherchons, peut-être en dehors des ordinateurs, mais encore faut-il qu'on se connaisse bien. Après, il faut impérativement raisonner en termes de pourquoi et pas uniquement en termes de comment. Alors on va dans nos écoles de formation, etc. Et comment faire les choses, c'est extraordinaire l'homme, hein, mais pourquoi les faire? C'est pour ça que moi je suis tout à fait pour des expériences qui sont des expériences de philosophie des expériences de philosophie dans les écoles primaires, notamment au CM1, où il y a des maîtres qui sont des véritables maîtres, qui permettent la circulation de la parole entre les élèves, qui ne les catéchisent pas, mais qui permettent justement qu'il y ait un avis commun et que là, cet apprentissage de la démocratie commence très tôt, dès le cours moyen première année, voire un petit peu plus tôt, mais c'est l'âge idéal. Et là, si on arrive à faire en sorte qu'il y ait des confrontations d'idées, on arrive à des 7 avis partagés, qui est l'avis d'une synthèse générale. Et là, le maître, encore une fois, c'est la définition du maître, c'est-à-dire qu'il permet la circulation de la parole, qu'il n'y a pas de confrontation, mais il y a juste des complémentarités entre chaque avis, et ça marche très bien. J'ai oublié le nom, excusez-moi, ça va me revenir, je vous le dirai tout à l'heure, mais c'est des expériences, c'est fantastique, et je crois que c'est un bon début pour une démocratie, quel que soit le pays dans lequel il s'exprime. Après, je crois qu'il faut arrêter cet anthropocentrisme de l'homme qui se croit seul dans la nature, et surtout dans notre monde occidental. Mais ce n'est pas la philosophie de la majorité des gens de notre planète. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Je ne parle pas des dirigeants, parce que tu disais tout à l'heure, Ricardo, les dirigeants nous amènent tous dans des directions que l'homme basique, que nous sommes peut-être tous ici, ne souhaite pas. Et donc, je crois là qu'il y a 3 milliards et quelques de personnes dont la philosophie, c'est la notion de terre-mère. Et nous, on a complètement perdu ça. Justement, ces contacts qu'on peut avoir avec des philosophies différentes, et pardon, des cultures différentes, peuvent nous amener à intégrer ça. Je crois qu'intégrer la notion de terre-mère auprès de notre culture occidentale est une priorité. Alors, il faut pas. Je crois que c'est important, je vous en parlais tout à l'heure, des expériences qu'on a les uns les autres, sur la mise en contact de jeunes d'ici et de là-bas, je dis là-bas tous ces pays, de manière à ce qu'ils nous infusent ce genre de, ce genre de philosophie. Et c'est là que je souhaite que quand on met en place des actions de coopération, qui sont souvent malheureusement que matérielles, on fait du néocolonialisme, tout ça, mais que ça soit du 50-50. Nous, on peut tout à fait apporter à ces gens nos valeurs, notre savoir-faire, on va dire, hein,
c'est-à-dire une façon de s'organiser, une façon de voir un peu le long cours. Et ces peuples, ils voient à court terme, parce qu'ils ont souvent été habitués à gérer le quotidien, et le lendemain, c'est tout à fait autre chose. On peut leur amener ces choses-là. Mais eux, ils peuvent nous amener des notions qui sont dans ces villages où il y a l'essentiel de la population de ces pays, notamment, je parle tout de suite dans l'Afrique de l'Ouest, hein, où il y a 80% des gens qui vivent dans les villages paumés sans rien, c'est des gens qui sont solitaires, ce sont des gens qui ont le respect et l'écoute des anciens qu'on a complètement perdu, et qui ont aussi la notion de la sacralité, au sens laïque du terme, de la nature. Et tous ces gens-là peuvent nous passer des messages fantastiques, donc il faut absolument qu'on mette en contact, dans le cadre de la coopération, nos jeunes, avec eux, c'est pas question de leur faire faire des voyages, avec les nouvelles technologies, on peut tout à fait échanger, même en direct, c'est ce qu'on va faire là très prochainement, on va, au village paumé à la frontière du Ghana, on va mettre en direct, les mômes de chez nous, de nos écoles, vont discuter en direct avec les mômes de là-bas sur ces sujets. Et moi je crois que c'est fondamental, je dis ça parce que on est content d'amener 10 mômes là-bas, mais 10 mômes là-bas ça coûte 10 000 euros, voire plus, et avec 10 000 euros, on peut faire je ne sais combien de transmissions par Skype, machin chose, je ne sais plus comment. Mais voilà, on peut tout à fait organiser ça. Et moi, je crois absolument à ça. Il faut que la coopération intègre le dialogue des cultures et pas uniquement du matériel. Ça, je rentre dans l'éducation parce que l'échange, c'est de l'éducation. Après, je crois que ce qui est aussi extrêmement important, c'est que pour qu'on voit loin, il nous faut une mémoire longue. Il ne faut pas qu'on oublie que les anciens ont découvert le développement durable avant qu'on le décrive comme ça chez nous depuis quelques années. Il y a des milliers d'années où les anciens... Donc il faut qu'on ait cette mémoire longue pour adopter le futur. Et puis, c'est compliqué pour nos décideurs, mais il faut qu'ils changent leur heure politique contre le temps de la nature. C'est fondamental. Et c'est vrai, on peut les excuser, on a un système qui est complètement... Voilà, tant qu'on n'aura pas le quatrième pouvoir citoyen, ça ne marchera pas parce qu'il y aura le clientélisme et tout ce qu'on peut miser. Mais c'est quand même étonnant aujourd'hui que quelqu'un qui veut, par exemple, faire des séparatifs dans son village, hein, c'est-à-dire la séparation c'est entre les eaux usées et les eaux de pluie, si jamais il se met à faire ça, c'est 3 ans Tchernobyl dans la commune. C'est-à-dire qu'il va défoncer les trottoirs et il va perdre les prochaines élections. C'est souvent ça. Sauf s'il a une capacité pédagogique extraordinaire, mais c'est souvent ça. Et puis celui qui va récolter les voix, c'est celui qui va semer le gazon derrière les travaux finis. Et ça, c'est très compliqué. Donc ça veut dire qu'il faut, avant tous ces travaux, il faut qu'il y ait une pédagogie et donc une éducation, qui n'est pas uniquement l'éducation des jeunes, mais l'éducation de toute génération, pour accepter ça. Mais ça, encore faut-il que celui qui gère la commune fasse cette démarche éducative, voilà, ça c'est fondamental. Alors après, il faut effectivement aussi que on ait conscience, et donc au niveau de notre démarche éducative, il faut que les mômes aient cette notion, mais pas que les mômes, mais si on commence par les mômes, ce serait déjà pas mal, on connaisse les limites de notre écosystème, les limites de notre nature, et qu'on fasse avec. On ne peut pas aller plus loin. Alors comme vous savez, au niveau des années 60, là, s'est instaurée la religion du toujours plus. Vous savez, on pensait que la croissance était perpétuelle, on pensait à l'abondance permanente. Et puis, celui qui parlait de l'environnement ou de passer pour un simple d'esprit, c'était souvent ça. Aujourd'hui, ça a quand même beaucoup changé. Et on sait que cette croissance après laquelle nous courons, eh bien, elle fragilise notre planète. Alors aujourd'hui, c'est sûr que notre horizon se constelle du moins, et puis notre siècle, notre époque aujourd'hui, impérativement doit se teinter de sobriété. Alors c'est vrai que ça c'est pas une catastrophe, mais pas du tout, parce qu'on peut tout à fait ne pas trop... pas du tout même, handicaper notre façon de vivre, on peut tout à fait consommer plus propre, mais aussi bien limiter nos prélèvements dans la nature que nos déchets dans les écosystèmes. Mais ça, on le vivra d'autant mieux, et plutôt on le vivra différemment, sauf si on le subit ou si on le construit. C'est vrai que si on subit cette
comment dire, cette sobriété, et qu'on n'y réfléchit pas, on va mal le vivre, parce qu'il y a des gens qui vont imaginer que c'est un recul, on va imaginer, après ça va poser des problèmes sur la démocratie, ça peut même déclencher des problèmes de soulèvements sociaux, mais si on fait dans tous les systèmes éducatifs, si on fait en sorte d'aller vers cette sobriété par rapport au potentiel que nous donne la nature, et si on le fait de manière collective, si on le fait de manière démocratique, c'est sûr que ça changera tout, et le moins pourrait être l'ami du mieux. Ça, c'est une certitude, mais encore faut-il démarrer tôt, et puis le faire tout au long de tout ça. Voilà. Alors, d'autre part, c'est vrai que cette notion du bien commun et l'eau, si on intègre ça à tous les systèmes éducatifs, il n'y a pas que l'eau, parce que avec l'eau, les agriculteurs viennent, avec les gens de la santé viennent, ça veut dire que l'eau, c'est sûrement le meilleur outil pour faire passer la notion du bien commun. Et justement là, ça peut permettre de ne pas en rester là et de penser que l'éducation est un bien commun, que la santé est un bien commun, que peut-être les transports aussi. Et en partant de l'eau, on doit pouvoir évoluer vers ce type de réflexion. C'est pour ça que l'eau, c'est cette espèce de trésor, mais qui est tellement rassembleur de gens différents. Je crois que c'est vraiment la chance qu'il ne faut pas rater dès la prime enfance, et puis après que ça puisse évoluer en fonction des âges dans le cadre de systèmes éducatifs divers et variés. Alors, sur le plan concret, je ne vais pas vous faire de la publicité pour H2O sans frontières, mais j'ai plaisir de vous dire quand même, voilà. On mène les cours d'eau d'H2O qui sont la sensibilisation des mots de nos quatre départements de notre région Auvergne sur le thème de l'eau multidisciplinaire. Donc on reçoit, on n'est pas au niveau de Val-de-Marne, mais on reçoit à peu près en deux jours 4000 mômes, et on fait ça en cours d'année scolaire, ce qui fait qu'on a à peu près 50 000 mômes qui travaillent sur le thème de l'eau multidisciplinaire, donc sous la houlette d'H2O sans frontières. On vient de signer une convention avec Clermont-Métropole, c'est Clermont-Ferrand, avec 21 communes, et donc il y a là un élan politique qui est avec nous. Donc nous allons essayer de faire, nous allons faire en sorte de développer la citoyenneté de l'eau, bien sûr, mais aussi donc, du bien commun en général, mais aussi de la biodiversité. Et nous avons une cinquantaine de partenaires qui sont avec nous, qui sont régionaux, nationaux, voire internationaux, et surtout, en première ligne, l'Académie et notre rectrice, et je vois après-demain tous les inspecteurs de l'Académie. Et donc tout ça, et pardonnez-moi pour ça, mais cette démarche, elle est faite avec une volonté politique durable, ainsi qu'avec la volonté de notre système éducatif. Parallèlement, donc, nous allons intensifier la coopération avec les villages du Burkina Faso sur l'eau, mais ça amène tout un tas d'autres choses, bien sûr. À partir de l'eau, on peut parler de tout, l'agriculture, de ce qu'on peut imaginer, et réaliser des choses concrètes. Donc, pareil, lier ce souci de dialogue des cultures et qu'on puisse faire des échanges dont je vous parlais tout à l'heure, mais à distance avec les nouvelles technologies entre nos scolaires et les scolaires là-bas. Et aussi, se dire qu'il y a cette démarche, elle n'est pas pour faire des néocolonialistes. Je crois qu'il faut les amener, ces gens là-bas, à être en première ligne de tous les projets. Hein. Donc c'est pour ça qu'on monte avec eux et avec les populations des conseils de gestion où il y a la parité homme-femme et que les trésoriers sont toujours des trésorières parce que c'est toujours beaucoup mieux géré. Et puis, entre autres, ces échanges de l'école, si on arrive, dans ces pays qui sont des pays, je parle de l'Afrique de l'Ouest que je connais particulièrement mieux que le reste, mais pour être baladé en Inde, etc., c'est bien partout pareil. La majeure partie de la population vit, 80% vit dans des villages paumés, en sachant que ces villages n'ont rien, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire que les femmes accouchent dans la poussière, avec des blancs de torches, avec toutes les complications que vous pouvez imaginer, que les enfants, bien sûr, dans les petites écoles, n'ont pas l'électricité, et pas l'eau courante, tout ça, donc il y a le problème. Ce qui fait que ces gens qui veulent rester dans leur pays, dans leur village, parce qu'ils ont envie d'y rester, hein, ces gens ne peuvent pas y rester, donc c'est l'exode rural, vont en ville, et c'est une des raisons principales de l'immigration. Et donc si on ne s'attelle pas, nous tous, à régler ce problème dans ces petits villages, et ça ne coûte rien,
petite association, mais quand on a fait monter du matériel par l'Électriciens sans frontières, pour éclairer une petite école, trois classes, avec du très bon matériel, ça coûte 1 500 €. Rendez-vous compte, c'est que dalle. Pour réparer un forage, parce qu'on fait toujours du forage neuf, machin, etc. Il y a plein d'outils en panne. On peut les réparer. Réparer un forage, en moyenne, qui va servir à 700 personnes dans ces villages, l'école, le dispensaire, les gens d'à côté, ça coûte 700 € au lieu de 15 000 € ou 20 000 pour faire un forage neuf. Après, c'est le problème, avec eux, d'être sous les arbres à palabres et de monter ces comités de gestion de manière qu'il y ait une gestion en cours. Alors, Cocorico, tant pis, je le fais, ça fait 7 ans qu'on fait ça, on n'a pas un seul problème. C'est-à-dire que c'est autogéré, les gens cotisent une petite somme, et ce fait que si on arrive dans ces villages à, d'abord, l'eau potable, deux, ben c'est vrai, sur les forages de 70 mètres, l'eau est potable, après, il faut organiser les châteaux d'eau, machin, mais dans la petite électrification, les gens restent dans le village, c'est-à-dire qu'il y a les maraîchers qui continuent à vivre, c'est-à-dire qu'il y a les groupements de femmes qui continuent à vivre avec leurs activités multiples et variées, notamment sur le caractère, sur un tas de choses comme ça. Ces gens restent, il y a de l'artisanat qui se crée, ces gens restent, ne vont pas en ville, parce qu'ils n'ont pas envie d'aller en ville. Et c'est sûrement un gros frein à l'immigration qui est notre problème de genre. Deuxième problème, c'est que, je pense toujours sur l'éducation, aujourd'hui, si ça continue dans ces pays comme ça, on peut regarder la télé ou écouter des émissions, on sait, on va dire, on va être 15 milliards, 20 milliards, 25 milliards, pourquoi pas, dans quelques temps. Le problème aujourd'hui, c'est que si on n'aide pas ces gens à l'éducation de base, par des petites choses, l'électricité, une machine comme ça, parce qu'ils ont les moyens, on ne va pas envoyer les instituteurs, ils les ont. Sachez aujourd'hui, une femme analphabète fait dans le monde 6,8 enfants, une femme alphabétisée 2,8. Conclusion, il faut les aider à l'éducation de base, et voilà. Et puis le troisième, et puis je me tais, bon, c'est un long peut-être, c'est que si vous êtes dans un village et que vous avez envie d'une petite école, d'une dispensaire, et puis si nous on ne fait pas ça, on est à 5 heures d'avion. C'est beaucoup plus court que d'aller à Toulon en voiture de Paris. Hein. Voilà, pas oublier ça. Monde complètement différent. Si on ne fait pas ça, et puis s'il y a des gens un peu barbus qui passent dans le village en disant « Oh, vous n'avez pas d'école, on va vous en faire une. » C'est gratuit. Mais attention, pour apprendre à lire, il faudra lire le Coran. C'est ce qui se passe. Alors je crois qu'il faut se relever les manches. On a des bonnes théories terribles, mais je crois que tous ensemble, je pense qu'il faut qu'on se mobilise pour qu'il y ait des actions concrètes d'éducation, aussi bien chez nous que là-bas, et surtout dans notre monde aujourd'hui, pas faire de l'occidental, mais faire en sorte que le monde que nous recherchons soit co-construit avec toutes les cultures du monde et qu'il y ait ce dialogue des cultures. Je vous remercie. Merci Jean-Pierre pour cet exposé. Je profite de rebondir sur ce que tu as dit, notamment par rapport au peuple autochtone et par rapport à la multiplicité des cultures, à ces interconnexions avec la nature, et puis avec cette idée de sortir de la concurrence et d'avoir plus de coopération. La Fondation a créé tout dernièrement un jeu de société pour les familles, qui est justement un jeu coopératif. Parce qu'on se rend compte, en fait, quand on joue, la plupart du temps, on joue en compétition. On joue les uns contre les autres, il faut qu'il y en ait un qui gagne, donc il y en a un qui perd, etc. Et donc, on a créé un jeu où tout le monde gagne, où tout le monde perd. Et si on perd, c'est la planète qui perd. Et donc, ce qu'il faut, c'est que petit à petit, on puisse, avec nos enfants, et puis nous-mêmes, parce qu'on est, nous, des professionnels de la compétition, il faut qu'on puisse déconstruire ces dynamiques de compétition et qu'on puisse mettre à la place ces espaces de coopération pour faire que dans 5 ans, dans 10 ans, nos enfants voient l'évidence de la coopération et qu'on arrête d'être toujours à vouloir être le premier, mais qu'au contraire, on puisse faire ensemble en sorte que notre seule planète soit respectée. Donc là, c'est vrai qu'il y a des enjeux très importants. Et effectivement, il faut dire les choses, mais il faut aussi trouver les moyens de les concrétiser. Donc il y a plein de moyens de les concrétiser. Et donc voilà, ce que tu as exposé en est une. Et chacune de nos organisations essaye de faire sa part. Et si demain chacun fait sa part, on aura plus de chances pour réussir.
On a trois quarts d'heure devant nous, donc on va prendre des questions dans la salle. Les mains se lèvent déjà. Wow. Madame. Madame, d'abord, Alex, il va attendre deux petites minutes. C'est la dame qui avait levé en premier. On a une dame qui lève la main. On donne la parole aux dames. Bah, justement, je voudrais faire la continuité avec ce qui vient d'être dit, la notion de jeu. Je voudrais reprendre la notion de jeu pour dire que quand on s'adresse aux petits, et c'est justement ça la grande question, que les vérités, elles grandissent progressivement. Et donc, il faut bien faire la différence entre les enfants du primaire et quand on commence à accéder à l'adolescence, où là, c'est important, les discussions, etc., on a envie. Les petits, c'est par le jeu, et c'est par l'art. Et donc, par rapport à tout l'élément de l'eau, par exemple, et de la coopération, on peut inventer toutes sortes de jeux, et on peut inventer des contes, inventer des pièces de théâtre, voilà. Et on peut aussi emmener les enfants, c'est pas on peut, c'est presque on doit, emmener les enfants là où il y a de l'eau, et la montrer, qu'ils fassent l'expérience des différents états de l'eau, quand elle est étale, quand c'est une cascade, quand c'est des vagues, et qu'ils commencent par s'émerveiller de cet élément de l'eau. Et que donc, toutes ces vérités de cette existence de cette eau, donc, en l'occurrence, que ça commence par vivre à l'état de sentiments très forts en eux, et que ça soit peu à peu qu'on fasse émettre. Alors, vous en pensez quoi? Bon, d'abord, une information. J'ai eu vent d'une école en Bretagne qui a une chorale d'enfants entre 8 et 10 ans. Ils ont fait une chorale d'enfants. Et ces enfants-là s'appellent les enfants fantastiques. Ils ont fait une magnifique chanson qui s'appelle « C'est de l'eau ». Donc, vous la trouvez facilement sur Internet. Donc, il y a des choses qui se font quand même en France. Je pointe un gros problème en France, et point de vue des consciences, et je m'adresse un peu à toi, Jacques, en particulier. On parle beaucoup d'Afrique, des gens qui n'ont pas l'eau, etc. En France, le système d'eau fonctionne assez bien, puisque chaque personne, chaque famille, a dans sa maison au moins 4 robinets. Vous avez un robinet, la baignoire, le lavabo, l'évier dans la cuisine, etc. Donc tout le monde est satisfait parce qu'il a l'eau chez lui et qu'il peut évacuer facilement l'eau usée. Donc on est habitué à avoir ce confort-là en payant un prix qui peut-être est excessif parce qu'on veut, mais on est habitué depuis des années, des dizaines d'années, d'avoir ce confort-là à la maison. Je crois que ce confort-là empêche aux gens d'avoir la conscience de l'eau. Parce que le confort prime sur tout le reste. Moi, quand j'étais tout petit, j'avais 10 ans, j'habitais une maison, il y avait 4 appartements, et j'avais un robinet dans la cour. Ça, c'était mon enfance. Aujourd'hui, c'est fini ça. Chacun a beaucoup d'eau à la maison. Alors, mon problème, c'est que j'habite aujourd'hui l'Essonne. L'Essonne n'est pas le Val-de-Marne, n'est pas la Seine-Saint-Denis. L'Essonne, c'est l'Essonne. C'est un pays, un département très conservateur, de droite généralement, et c'est l'Empire Veolia et Lyonnais des eaux. Je cherche à mener des actions aujourd'hui, Jacques, pour éveiller la conscience des gens et dire il y a un problème. Et je montre l'exemple dernier de la commune de Vissou, où le maire, la commune, se fait arnaquer par la Lyonnaise pour des conduites non récurrées. Et le CELIF s'est fait arnaquer à Veolia, 20 millions d'euros, ça a coûté, sur surfacturation, des travaux non faits, etc. Donc ma question, là, je reviens au concret, comment je fais dans mon département où rien ne bouge, je cherche à mobiliser les gens. Je suis en train de faire des actions, je suis en train de monter un site, je fais des documents, je m'adresse aux gens et pour l'instant, je n'ai pas de retour. Donc, comment je fais? Tu as commencé à dire, Jacques, mobilisation citoyenne, et tu n'as pas abondé. Hop, tu as passé à autre chose. Hein. Non, tu nous as vacciné avec le CELIF. Le CELIF, je n'ai pas à l'Essonne. Voilà. On n'est pas.
On note la question et Jacques y répondra tout à l'heure. Une troisième, il y avait une main là-bas. Il y en a deux, on va prendre les deux questions, puis on va faire une première temps de réponse. Merci. Bonsoir à tous. Je m'appelle Kamara Moussa Silla, je suis adjoint technique à la mairie de Paris. Je suis honoré d'être parmi vous ce soir. Par contre, ce n'est pas une question que je veux poser, c'est juste des félicitations et des remarques. Parce que avant ici, je ne pensais pas du tout avoir à vous parler, à prendre la parole. C'est venu surtout prendre de l'information. Et se trouve que j'en ai plein la tête. Et c'est une fierté pour moi aussi de savoir que la salle est pleine à craquer. Parce qu'il se trouve que je suis devenu acteur de développement pour la force des choses. Comme je vous expliquais tout à l'heure, je suis adjoint à la mairie de Paris. Quand je travaille dans un gymnase, que je vois des joueurs qui sont sponsorisés par une marque d'eau, qui prennent une goutte, un gorgée et qui jettent la bouteille, et que moi je pense qu'au fond de moi-même, au Sénégal où je suis originaire, il y a des gens qui n'ont pas accès à l'eau portable, à l'eau tout court, ça me faisait mal à la peine. En passant là, actuellement je travaille à la piscine, je suis devenu filtreur, et quand je vois le nombre de mètres cubes d'eau qui partent par les égouts quotidiennement, ça me fait mal. Donc, il se trouve que je milite ce qu'on appelle le mouvement pour l'émergence de nos terroirs, qui est originaire du Sénégal. Il y a plus de 1000 membres. On a visité plus de 100 villages depuis 2016 jusqu'à maintenant. Monsieur Thiam Michel, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, quand on pense qu'il y a des femmes qui mettent un enfant au monde, ils accouchent. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau portable. Je me suis dit, je n'ai pas le droit. Je suis né à Dakar, j'ai grandi à Dakar, il y a tout ce qu'il faut. Mais moi, actuellement, je n'ai pas le droit de ne rien faire. Donc, on a créé ce mouvement-là, qui est l'émergence de nos territoires au Sénégal. Donc, il y a la problématique de l'eau. Tout à l'heure, j'en ai parlé avec M. Emmanuel. Le 9 décembre, si tout va bien, on va organiser un meeting, parce qu'on s'est dit quand même, au niveau politique, il faut sensibiliser nos concitoyens qui sont nés ici. En même temps, cibler large, enfin pour moi, excusez-moi, c'est l'émotion, cibler large. Donc, vous êtes tous conviés, si vous voulez assister à cette meeting et cérémonie le 9 décembre qui aura lieu à la Bourse du Travail de Saint-Denis de 14h à 21h. Moi, personnellement, ça me fera plaisir de vous compter parmi nous. Si on voit plus d'Occidentaux que d'Africains, ça me fera encore plus plaisir parce que je vous ai pour vous dire. Par ma voix, les gens commencent à prendre conscience des problématiques de l'eau au Sénégal, et particulièrement dans les pays limitrophes. Le combat continue. Donc, regardez-moi, je suis là aujourd'hui par la force des choses. Donc, dès que j'entends ce genre de problème aussi, je serai encore parmi vous. Voilà ce que j'ai à vous dire et tiens à vous inviter tous, citoyens, citoyennes que vous êtes, le 9 décembre, si vous voulez, je vous donnerai les coordonnées. J'en ai parlé avec M. Emmanuel, la personne qui pourra venir. Votre expérience, on en a besoin. Parce que, comme on dit chez nous, au Japon plutôt, au lieu de donner en passant à quelqu'un, mieux vaut l'apprendre à pêcher. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci. Madame Devant, vous avez la parole. Une seconde, je voudrais répondre là-dessus en disant que vous pouvez nous écrire et nous envoyer au mail de l'université, on peut relier. Et c'est l'intérêt d'avoir laissé vos coordonnées et vos mails, puisqu'après, on pourra à terme faire des actions collectives. C'est ça aussi le but de l'université. Ce n'est pas seulement d'écouter. Il y aura un moment où on commence à agir sur quelque chose. Bonjour. C'est par rapport à la remarque de la dame, la première dame qui a parlé. Qui parlait de comment sensibiliser à l'émotion d'une autre manière, parce que finalement on dit que la technologie prend toute la place et nous communiquons en fin de compte par la technologie. Les enfants n'ont pas cette expérience émotionnelle, puisque par exemple vous prenez l'eau est emprisonnée dans le milieu urbain. Sauf la pluie, par exemple, mais on se met à l'abri parce que ça tombe sur le bitume, c'est pas agréable. Donc c'est normal que... c'est aussi la même chose pour les animaux, pour les arbres, pour toute la nature. C'est comment faire que la nature soit dans la ville
et qu'on puisse avoir une autre expérience avec elle. La toucher, la sentir, voilà, et puis jouer avec la nature. Merci, madame. Juste en connexion avec ce qui vient d'être dit, je voulais poser la question si on ne peut pas multiplier les expériences à Nanterre avec la phytoopération, qui est justement un bon exemple de comment traiter l'eau au féminin. Et merci pour vos combats, en tout cas. Merci. Merci à vous. On va peut-être faire une première séquence. Alors, il y a une madame là-bas, et après, on fait une première séquence de réponses. Moi, j'avais plus une question pour Jacques, Karina. Oui, sur Jacques, en fait, moi, j'aimerais bien que vous reveniez sur la question, parce que du coup, vous êtes allé assez vite. Moi, je n'ai pas tout compris sur l'enjeu derrière ces fameux 2 ans d'études. C'est-à-dire au service de quoi une incapacité des individus. Vous n'avez pas du tout parlé de démocratie participative, mais je soupçonne que peut-être quand même le combat, il y a quelque chose de cet ordre-là derrière. Et donc, moi, j'aimerais bien que vous nous réexpliquiez en fait les enjeux en termes de pouvoir d'agir. Voilà, moi, c'est la question qui m'intéresse aussi. Alors, avant de passer la parole à Jacques pour qu'il puisse nous répondre sur ce plan-là, vous répondre sur la phytorestauration, il y a plein de choses hein, qui se ou restauration ou épuration, enfin, pas c'est, ça dépend des termes. Il y a vraiment plein de choses qui se font actuellement. Il y a plusieurs PME françaises qui sont spécialisées sur ces sujets-là et qui malheureusement aujourd'hui travaillent plus facilement au Maroc, au Brésil ou en Chine parce que en France les normes sont construites par les multinationales pour les multinationales et que du coup quand on met en place de la phytorestauration ou de la phytoépuration, souvent ça coûte moins cher que donc ça rapporte moins d'argent, donc c'est moins intéressant que du chimique. Donc il y a vraiment des révolutions à mettre en œuvre sur ces sujets-là. Et c'est clairement à nos élus de se saisir de ces sujets. Parce que l'exemple de Nanterre est là pour montrer que quand les élus sont engagés, ben, ils le font. Il y a l'exemple d'Honfleur aussi qui est très intéressant, avec une centrale d'épuration qui est magnifique, qui se visite. Et d'ailleurs, il y a des visites internationales de la station d'Honfleur tous les jours. Il y a des gens qui viennent de partout sur la planète pour visiter la station d'Honfleur. Nonfleur, et malheureusement, il n'y en a qu'une. Il faudrait qu'on en ait dans tous les villages de France et de Navarre. Donc voilà, donc là, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet qui grandit. Et ce, d'autant plus, même si Sylvain n'est pas forcément d'accord, c'est un sujet qui grandit, qui va grandir d'autant plus qu'on se rend compte que ces actions de phytoépuration participent souvent à la lutte contre le changement climatique. Donc du coup, il y a des collectivités qui se rendent compte qu'en ayant fait des choix comme cela, ils deviennent eux-mêmes acteurs de la lutte contre le changement climatique. Ça permet de remettre la végétation dans la ville, notamment. Et en lien avec ça, vous savez qu'à Paris, depuis maintenant quelques années, il y a un budget participatif qui est en place. Et donc c'est les citoyens eux-mêmes qui choisissent des projets, etc. Et bien, la plupart des projets qui sont choisis sont des projets de végétalisation de la ville, pour remettre de la nature dans la ville. Donc là, je pense qu'il y a un vrai intérêt par les citoyens d'imaginer comment on peut faire que demain la ville soit plus verte, la ville soit moins chaude, et que l'eau retrouve sa place dans la ville. Vous l'avez dit très, très justement tout à l'heure, on est avec des villes qui excluent l'eau, et il faut absolument qu'on réapprenne à mettre l'eau dans la ville. Moi, j'ai vécu au Tchad 2 ans, et au Tchad, quand il pleut, c'est le beau temps. Et tout le monde dit c'est le beau temps qui arrive. Et c'est vrai que cette conception-là, chez nous, quand il pleut, c'est un sale temps. Et c'est vrai qu'il faut qu'on réinvente ça et qu'on fasse en sorte de redonner sa place à l'eau dans nos villes. Surtout en Belgique. Ouais. Je passe la parole à Jacques, et puis ensuite, si Ricardo et Jean-Pierre, vous souhaitez réagir, évidemment, vous êtes les bienvenus. D'abord, pour dire que dans les batailles de l'eau, j'ai dit le service public est un,
un outil de la réappropriation sociale. Donc tous les moyens que nous avons de la réappropriation sociale, même sans le service public. Je pense par exemple à la réintroduction de l'eau. Bon, en tous les cas, mon attachement à l'eau commence, je sais, tout petit. C'est les premières émotions, les premières joies d'enfants sont liées dans mon village au fait de pouvoir barboter dans la rivière. Et quand on regarde, quand on fait un peu d'introspection les uns et les autres, essayez de vous souvenir de vos meilleurs souvenirs d'enfants, ils sont souvent liés à l'eau. Et il faut réintroduire l'eau dans la ville par tous les moyens aussi parce que le réchauffement climatique nous pousse aussi à cela. Donc c'est assez faire preuve d'être raisonnable, de réintroduire l'eau. Les cycles de la nature doivent réapparaître. Comme évident, tu disais, ben oui, on ouvre le robinet, Niki. Bon, moi je vais pas te donner je te connais suffisamment pour te pas te donner de leçons. Mais j'ai pas développé toute une partie. Donc tu fais le lien. Tu m'as demandé d'être plus court, donc je vais essayer d'être encore plus court là. On n'aurait pas gagné ces 2 ans s'il n'y avait pas eu la mobilisation citoyenne. Pour la première fois, je le dis aussi à Ricardo qui est pas là. Moi j'ai développé la stratégie politique. La tactique qu'on a utilisée pour gagner, quoi, pour ne jamais prendre de front les gens et essayer de les rassembler. Jean-Pierre a raison, l'eau elle rassemble, donc il faut savoir se servir de l'eau pour rassembler des gens qui parfois divergent. Donc j'ai voulu développer ça, et on a essayé de faire preuve d'intelligence collective et c'est à quelques-uns on a travaillé à ça. S'il n'y avait pas eu la mobilisation citoyenne qui ne s'est pas vue depuis très très longtemps, et dans une période où, j'ai oublié de dire, bon, c'est plutôt des idées de gauche, on va dire, mais la gauche, je ne sais plus où elle habite actuellement. Et donc les élus, pour les faire basculer, alors qu'ils ne basculaient pas il y a 10 ans au moment de la question du renouvellement, là, ils basculent plus facilement, parce qu'ils voient bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un divorce avec la société. Donc certes, une partie d'entre eux essaye de retrouver des valeurs qui sont des valeurs fondamentales, qui sont celles de la solidarité, du bien commun, etc. Donc c'est ce qui explique aussi qu'on a pu gagner des centaines et des centaines d'élus, ça ne s'était jamais vu. Moi j'ai l'expérience de 25 ans de bataille, donc je vois bien les évolutions, et je vois bien que ce vice-président dont j'ai parlé, du CEDIF, qui tout d'un coup change de truc, en quelques jours, voilà, il y a quelque chose, il y a une gauche qui est en pleine crise, enfin, tant mieux d'ailleurs qu'elles soient en pleine crise. Donc, en général, c'est avec les crises qu'on s'en sort là. Les 2 ans, ils vont nous servir à quoi? On a obtenu donc le temps de travailler, de réfléchir et d'explorer d'autres modèles. Alors, il faut que je fasse un petit détour. C'est que lorsqu'on a fait les premières études, il y a 6 villes, 6 maires, qui ont été candidats pour des raisons un peu diverses, mais quand même convergentes. Ils ont dit, voilà, nous, on est beaucoup dans le Val-de-Bièvre, ou à côté de Paris. Ivry, Kremlin-Bicêtre, Arcueil, Orly, et puis 2 autres villes. Et il se trouve qu'on est juste à côté du service public de l'eau de Paris, quoi. Et donc, est-ce qu'on pourrait pas regarder si on se fournissait à Paris, plutôt que de se fournir chez Veolia? D'autant que sur notre territoire, il y a les aqueducs, il y a les usines des eaux de Paris, etc., etc., et certaines grosses canalisations. Donc, on a fait ces études-là. Mais évidemment, prises de façon séparée, les périmètres ne sont pas directement opérationnels et pertinents. Parce qu'une ville ici et une autre ville ici, il faut mieux pouvoir réfléchir en se disant, imaginons que toutes les villes soient d'accord pour qu'on étudie. On étudie, on fait qu'étudier. Mais toutes les villes sont d'accord. Alors dans ce cas-là, on réfléchit à des périmètres hydrologiques qui vont être économes, qui vont éviter de déconnecter telle ville, telle ville, telle ville, mais de déconnecter tout un groupe de villes ensemble. Et si on déconnecte tout un groupe de villes ensemble, on n'a pas besoin de les déconnecter les unes des autres. Et donc évidemment, c'est beaucoup, beaucoup plus économe. Et puis on dit aussi que ce département du Val-de-Marne, par exemple, mais c'est vrai aussi pour les deux autres territoires de Seine-Saint-Denis. Après tout, on peut, puisqu'on est des gens simples, équilibrés et pas manichéens, le territoire, il y a une partie qui peut se fournir à tel endroit, une autre partie peut se fournir à tel endroit. On peut mettre les producteurs d'eau à notre tour en compétition.
en concurrence, mais avec une vraie concurrence, de dire, ben voilà, Haute-Paris nous propose l'eau à ce prix-là. Alors vous, le CEDIF, à quel prix vous nous le payez ? C'est-à-dire, on veut utiliser ce temps-là. Mais ce qui est sûr, c'est que cette victoire un peu insolite que nous venons d'obtenir, l'intérêt des deux ans, c'est de voir maintenant les mobilisations citoyennes en très grand. On est en train de réfléchir. Là, on a fait une réunion stratégique où il y avait une trentaine de personnes la semaine dernière. Et j'ai dit ça, moi. J'ai dit, il faut qu'on fasse de la stratégie intelligente au niveau de ce qu'on vient de gagner maintenant. C'est-à-dire que les deux ans, c'est pas deux ans pour que les citoyens nous regardent faire. Et puisque les élus, et des élus très importants, comme les présidents d'EPT, des territoires, des trois territoires, ont dit la chose suivante. Ils ont dit, nous, personnellement, on n'était pas pour, ils ont dit ça à Santigny, nous, personnellement, on n'était pas pour quitter le CEDIF, parce que c'est vraiment bien le CEDIF. Mais on est bien obligé de tenir, de porter la parole de la société civile. Ils ont dit ça à Santigny. Hein. Il a regardé, il a dit, on est obligé, hein. On est obligé, parce que nos élus de base aussi, ils nous poussent. Et c'est vachement signe des temps de la crise de la politique, que des grands personnages, bon, ils ne sont pas si grands que ça, mais, bon, mais des gens qui, pour l'habitude de regarder quand même... Oui. Non, non, mais je ne parle pas de Santini, je parle des trois, là, des trois présidents de territoire, ils ont dit ça. Et j'ai dit hier à la coordination, j'ai dit, alors du coup, eh bien, ils reconnaissent la légitimité de ceux qui les ont amenés à ça. Et donc, ça donne légitimité aux associations pour dire, maintenant, dans cette deuxième phase d'étude, vous n'avez pas voulu de nous dans la première phase, j'ai porté cette exigence qu'ils soient associés. On les a auditionnés, mais ils n'ont pas été associés. Ben là, maintenant, ils viennent d'obtenir gain de cause, donc ils doivent être reconnus comme interlocuteurs et comme acteurs du mouvement qui va avoir lieu dans les deux ans à venir. Ensuite, juste un mot, c'est vrai que c'est compliqué un peu cette histoire de territoire, mais Emmanuel, on dit on veut deux ans, parce que techniquement on pense qu'avec deux ans on est capable. Alors qu'est-ce qui se passe au bout de deux ans? Puisque la phase suivante, c'est encore deux ans après, il y a le renouvellement du contrat avec Veolia. Ben, on exige d'abord, et on est en train de l'obtenir, que malgré qu'on ne réadhère pas au CEDIF, que quand même on soit associé à la réflexion sur le renouvellement du contrat. Ça, on l'a gagné. Sur l'arrêt du contrat? Non, sur le renouvellement. Oui, on est associé à la réflexion sur le renouvellement, puisque Santini dit, mais oui, bien sûr, nous, à chaque fois, on joue le jeu, on est transparent, tout ça. Tu parles de la transparence avec le vote à bulletin secret. Mais on est en train d'obtenir ça. Et dans deux ans, donc, ben, on va rendre notre verdict. On va dire. Et les maires feront comme ils pensent qu'ils devront faire. Mais j'attire votre attention, on a de la chance, c'est que dans deux ans, c'est un an avant les élections municipales. Et que là, tout d'un coup, comme m'a dit le vice-président du CEDIF qui a changé de base, il m'a dit, t'es malin, je sais comme toi que l'eau va s'inviter dans le débat des prochaines municipales. Et la dernière fois, je lui dis, ben oui, on va avoir de la chance, parce que cette fois-ci, ça sera avant les municipales, la question du renouvellement du contrat et la question de prolonger la sortie du CEDIF, alors que la dernière fois, souvenez-vous, pour ceux qui ont participé à ces batailles, ben c'était juste après les municipales. Et donc, les maires qui avaient dit, mais oui, bien sûr, je suis pour le service public, et puis vraiment, je vous soutiens, évidemment, ils avaient 6 ans devant eux pour faire oublier leur truc. Là, ils auront un an où ils vont, ben, ça sera l'invité des municipales, ça sera l'eau. Juste deux mots, je ne veux quand même pas terminer, c'est Ricardo qu'on va laisser, à qui on va laisser le soin de finir, de conclure. Simplement deux choses sur ce qu'on vient de dire tout de suite. Par exemple, les 21 communes qui ont décidé par ce biais, par l'entrée éducation, de mettre dans toutes leurs écoles le fait que l'eau soit bien commun, ces 21 communes ont décidé de gérer l'eau en régie municipale. Clermont Métropole, 21 communes, Clermont le fait déjà, mais les autres, alors je dis pas que ça a été la seule, mais le fait qu'il y ait un déclenchement de priorité au bien commun au niveau de toutes les écoles fait que toutes les 21 communes ont décidé, hein, Chamalières,
pareil, je vous dis Chamalière, vous connaissez Chamalière, c'est particulier l'Auvergne. Hein, ben, non, mais même Chamalière a décidé, donc c'est vous dire, à terme, pas tout de suite, mais c'est, ils sont, voilà, c'est important. Deuxième chose, vous parliez tout à l'heure de démocratie participative. Je crois que le premier laboratoire, c'est l'école. Donc il faut vraiment introduire au niveau de l'école cette notion de réflexion, qui soit la vie partagée, sans que ça soit une opposition, mais je crois qu'on peut le faire. Alors j'ai retrouvé le nom, c'est Frédéric Lenoir, qui a écrit ce livre sur la philosophie. Alors je ne fais pas de pub, je ne touche rien, je ne le connais pas, mais je vous engage, parce que c'est vraiment... ça paraît tellement naturel de faire ça, on aurait tort de s'en priver. Et puis je voudrais terminer, bon, c'est vrai que l'Auvergne est un petit peu, tout de suite, c'est un petit peu difficile. Bon, je m'appelle Vauquier, mais avec un R à la fin. Voilà. Merci Jean-Pierre. On va prendre une dernière série de questions, et puis ensuite on va conclure. Il y a Sylvain au fond là-bas. Madame, en premier, on n'a pas parlé encore. François. Bonjour à tous et merci. Je voulais juste rajouter comme commentaire, Jean-Pierre, vous en aviez un petit peu parlé lorsque vous avez parlé de l'Afrique. Au-delà, pour la question de l'accès à l'eau, au-delà du fait que c'est quelque chose de vital pour boire, pour préparer, faire la cuisine, pour se laver, il y a aussi le facteur temps qu'il faut peut-être mettre dans cette réflexion. C'est-à-dire que comme on le verrait dans un montage, on imagine un Français qui se lève le matin, qui prend son petit déjeuner, prend le métro, va travailler, ou la voiture, hein, peu importe, et que de l'autre côté, on se situe en Afrique, on voit une population, un village, des femmes, souvent ce sont des femmes, et j'ai vu ça la dernière fois que je suis allée au Mali. Vous imaginez donc le Français qui commence sa petite journée au Mali, des femmes font des kilomètres, des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher de l'eau, et quelquefois ça leur prend toute la journée. Donc si dedans on y met le facteur temps, avec ce que fait le Français, la productivité qu'il a dans une journée et la productivité que peut avoir ce village en une journée, il y a pas de comparaison. Voilà. Et donc le fait que l'eau leur arrive dans leur village fait que vous développez l'économie du village, vous développez l'économie de la région, etc. Et vous faites en sorte que justement les personnes restent au village. Voilà. Donc il y a tout cet aspect du facteur temps qui fondamentalement nous différencie entre des sociétés dites développées et effectivement d'autres pays. Merci. Il y avait Françoise derrière. Oui, Françoise, j'ai initié il y a 20 ans, c'est juste la date anniversaire là, ces jours-ci, une association qui s'appelle L'eau est, E-S-T, Le Pont. Donc je voulais faire référence au côté rassembleur de l'eau, qui est tout près d'ici, au 103 bis rue de Charenton, avec l'idée d'une ambassade de l'eau. Parce qu'on a imaginé que c'était bien d'amener l'idée de l'eau au plus près des gens, et là on est dans un ensemble locatif. On a une utopie au départ, c'est que dans cet ensemble locatif où il y a à peu près 9 nationalités différentes, la Moldavie, Roumanie, Sénégal, enfin bon bref, le Rwanda, l'Algérie, le Maroc, qu'on allait faire en sorte que ces gens se parlent sur la base de l'eau. On n'a pas réussi, c'était très ambitieux, mais en tout cas on a réussi à fidéliser un bon nombre des personnes qui résident dans cet habitat locatif et avec qui on fait des actions de sensibilisation, d'éducation. Je rebondis aussi sur la question du temps, parce que c'est vrai que l'éducation, ça prend du temps. Et à parler de l'eau, c'est pas un one-shot, c'est vraiment une fois, deux fois, trois fois. La question de l'eau est extrêmement complexe et les tuyaux pour amener la connaissance ne sont pas simples à trouver. Ou les chemins, on va dire. Et puis enfin, moi je crois beaucoup à l'idée, bon, vous parliez des ambassadeurs, moi je crois beaucoup à l'idée de la médiation. D'abord, on a travaillé sur un projet de médiateur ambassadeur de l'eau, qui n'a pas abouti vraiment faute de moyens, mais je crois que plus on parle de l'eau, plus on la montre et plus on va gagner aussi en connaissance et en savoir.
Je voulais revenir sur la phytoépuration parce qu'elle est vachement importante à côté de ça. Et je tiquais parce que sur le fait que c'est alors c'est vrai que les multinationales ont lutté contre ces dispositifs qui ont été développés en particulier par les services de l'État, il faut le noter. C'est le Semagref en particulier sur les filtres de roseaux plantés. Et quand on est parti d'une feuille vierge, c'est-à-dire quand on a installé une nouvelle station d'épuration en milieu rural, on a beaucoup développé de la phytoépuration à travers des filtres de roseaux plantés parce qu'on partait de rien. Et si je reviens là-dessus, c'est parce que c'est important sur les problématiques de réversibilité des choix et du fait qu'on part avec une situation initiale qui est ce qu'elle est. Pourquoi on n'arrive pas à les mettre dans des situations en milieu urbain? C'est qu'on a des grandes infrastructures et que ces grandes infrastructures, c'est ce que disait Jacques aussi sur l'eau potable, elles existent et on ne peut pas faire contre aujourd'hui. Et comment on revient? Comment on pense la transition? Et ça, c'est un élément qui est très important et qu'on ne dit jamais assez, à mon sens. C'est qu'on ne pense pas à des transitions. Comment on vient de l'État? On ne part pas d'une feuille blanche, on ne recrée pas un nouveau service public aujourd'hui de l'eau, de l'assainissement. On doit dealer avec l'existant. Et l'existant de la région parisienne, c'est des très grandes stations d'épuration. C'est un choix technique qui a été pris à une certaine époque sur lequel on ne peut pas revenir si facilement. Les coûts de transition sont énormes. Et comment on gère et comment on deal avec ces coûts de transition, c'est là une grosse question. Et on ne peut pas traiter de la question du bien commun, à mon avis, sans traiter de ces coûts de transition qui font que ça ne se fait pas d'un seul trait de plume. Et sur l'Essonne, il y a une question que je voulais dire, c'est la question de la propriété des usines d'eau potable. Il y a une vraie question sur l'Essonne qui est très spécifique. Il y a très peu d'endroits où les producteurs d'eau sont propriétaires des usines. C'est le cas de Suez dans l'Essonne. Il y a au moins trois, à ma connaissance, usines qui sont propriétés pleinement de l'entreprise, alors que partout ailleurs, elles sont propriétés publiques, gérées éventuellement par le privé, mais là, elles sont propriétés, et c'est le premier combat à mener sur l'Essonne, c'est celui-ci. Je fais ça très rapidement pour que Ricardo puisse conclure. Grenoble a fait le choix de protéger ses zones de captage pour faire en sorte que l'eau dans la nature soit l'eau au robinet. Alors, ils ont une chance formidable, ils sont à la montagne. Il y a une ressource en eau qui est de grande qualité, mais c'est la seule ville en France qui a négocié de ne pas mettre de chlore dans l'eau avec l'État. En contrepartie, ils ont des contrôles de sécurité très importants, parce que le chlore, c'est avant tout une précaution contre les attaques. Donc la seule ville en France, dans toutes ces belles montagnes qu'on a, la seule ville qui fait ça, c'est Grenoble, et c'est un choix politique très fort, de dire on a la chance d'avoir une eau pure dans la nature, on met tout en œuvre pour que cette eau pure soit au robinet. Et je comparais à la Bretagne, parce qu'en Bretagne, on a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on a dit on a des dynamiques économiques, agricoles, élevage, etc., qui sont très importantes pour nous, ça abîme l'eau, tant pis, on met les investissements nécessaires pour purifier l'eau et faire en sorte qu'elle soit potable au robinet. Ce qui est hallucinant, c'est qu'en faisant ça, on fait deux choses. On importe de l'eau de Normandie, la Bretagne importe de l'eau de Normandie pour la mélanger à son eau qui n'est pas purifiée et complètement, et pour avoir une eau qui soit aux normes, au robinet. On ferme des points de captage tous les ans en Bretagne, parce qu'à un moment donné, on n'y arrive plus. Et les Bretons sont persuadés que l'eau du robinet n'est pas potable, donc consomme énormément d'eau en bouteille. À chaque fois qu'on a fait ça, nous, qu'on a pris la parole en Bretagne sur l'eau du robinet, on s'est fait incendier, alors que quand on a sorti l'étude sur les dérogations de pollution d'eau au robinet, la seule région où il n'y avait aucune dérogation, c'est la Bretagne. Ils sont tellement sur les dents pour être sûr que l'eau soit potable au robinet qu'ils n'ont pas de dérogation et qu'elle est potable au robinet. Donc c'est un ensemble de paradoxes. Mais ce que je voulais dire derrière ça, c'est que ce qui est très important, c'est qu'il faudrait qu'on puisse construire une politique nationale de l'eau qui ait comme priorité première la préservation et la meilleure qualité de l'eau dans la nature. C'est-à-dire que si on commence par ça, on peut faire des économies ensuite à tous les étages, alors que si on fait l'inverse, et c'est pour ça que je citais la Bretagne, on se retrouve avec des coûts de l'eau au robinet qui sont hallucinants, c'est 7 euros le mètre cube, et on se retrouve aussi avec les algues vertes. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un système dans la nature qui ne marche plus. Donc il faut absolument qu'on ait la conscience de la
régénération de l'eau dans la nature. Et je finis avec un exemple sur les pesticides. On a fait une étude en 2011 sur les pesticides. Et il y a un pesticide qui a été interdit en 2003. Je ne vais pas me rappeler son nom, ce n'est pas bien. Et c'est un pesticide qu'on retrouve partout dans les études de qualité de l'eau aujourd'hui. C'est-à-dire que le temps de la nature n'est absolument pas le temps de l'homme, et que les actions qu'on a aujourd'hui vont impacter dans les 50 prochaines années. Donc c'est pour ça qu'il y a une urgence. Alors, Sylvain est parti, je suis d'accord avec lui sur les transitions, mais on ne peut pas juste se satisfaire de dire que les transitions coûtent cher. Il faut aussi qu'on les enclenche. C'est-à-dire que si on ne les enclenche pas maintenant, on va avoir d'énormes problèmes dans les décennies qui viennent. Donc c'est là qu'il faut qu'il y ait une réflexion plus forte sur le plan national, parce qu'on est très conscient que ce sont les élus locaux qui impulsent les politiques de l'eau aujourd'hui, mais il faut qu'il y ait une réflexion globale pour faire que la ressource en eau soit protégée. D'ailleurs, la France se fait engueuler par l'Union européenne très régulièrement sur ce sujet-là, parce qu'on n'est pas du tout à la hauteur. Ricardo, je te laisse clore. Je voulais répondre effectivement sur ces questions pour revenir sur la problématique du bien commun mondial. Et d'ailleurs, tu viens de dire qu'il faut une politique nationale, bien sûr, mais il faut aujourd'hui surtout avoir une politique globale, mondiale, planétaire de l'eau. C'est une politique nationale ou même une politique européenne, bonne, etc., peuvent préserver la qualité des eaux en France. Mais après, qu'est-ce que fait la France pour le reste? Donc, il faut faire un peu tout. Et c'est pour ça que je voulais, avant, parce que moi je dois partir à 6h15, donc avoir la possibilité encore, la possibilité de dire quelques mots sur le bien commun mondial. Alors, ouais, effectivement, les problèmes. Mais justement, si, au-delà de la bifurcation, c'est qu'on constate, c'est qu'à l'heure actuelle, les dominants parviennent encore une fois à tirer bénéfice des problèmes que les dominants créent. Et, par exemple, le changement climatique est en train de nous dire qu'il y a deux grands maux qui sont importants pour le devenir de la vie sur la planète. Le premier, c'est la résilience. La résilience signifie que désormais, on a tellement détruit la planète qu'on ne pourra pas arrêter les destructions. Qu'on va avoir au moins, par exemple, une augmentation de la température moyenne terrestre de 2 degrés. Et que donc tous les problèmes deviennent, et on le sait, ça fait 30 ans que les dominants nous disent qu'on n'a que deux choix possibles, deux politiques possibles, la politique de mitigation et la politique d'adaptation. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas changer cela. C'est une donne parce qu'on a dépassé les limites existentielles, les limites des équilibres. Donc il y aura l'augmentation de la température terrestre. Et alors, 2 degrés, c'est terrible, c'est catastrophique. Et il faut donc faire quoi? Devenir résilient, c'est-à-dire quoi? Être capable de diminuer la gravité des conséquences. Mais on ne peut pas éliminer l'augmentation, et la capacité de s'adapter à vivre dans un monde qui a 2 degrés de plus de réchauffement de l'atmosphère. Ça, c'est la résilience. Et alors, rapidement, on peut dire, faisons la différence entre les Pays-Bas, 18 millions, et le Bangladesh, 180 millions aujourd'hui. Nous, les dominants, on est en train d'enseigner à l'université de Dhaka que la résilience is the best strategy to go. Et alors, les Pays-Bas, aujourd'hui, ont déjà dépensé à peu près 700 milliards d'euros au cours des 15 dernières années pour réformuler tout leur système de protection de leur sol. Et ils sont en train d'inonder certaines régions, ils sont en train de récupérer d'autres régions, etc. Bref, ils investiront encore pour les 15 prochaines années. Au total, on imagine que l'on investit entre 1000 milliards et 1500 milliards. Certains disent même 2000 milliards. Oh, 2000 milliards, c'est beaucoup. Hein. La richesse produite par la France pendant un an, c'est 3 milliards 800 millions. 3000 milliards. Hein.
donc un petit pays d'Isuit. Je peux vous garantir que les Néerlandais, en 2070, seront résilients. Ils seront même des piscines sur leur petit territoire. Ils continueront à produire des tulipes, du fromage, des vaches, et ils vivront heureux en 2070. Bangladesh, 180 millions, les territoires déjà demi-territoires sous eau, et n'ont pas dépensé un euro pour se protéger. Et personne ne voit qui dépense au Bangladesh pour faire en sorte qu'ils soient résilients. Moi, je suis enragé. Moi, je renverrai à l'enfer tous ces dominants qui nous parlent de résilience et de résilience. Parce que c'est notre salut. Nous serons résilients. Parce qu'on a l'argent. Alors, je reviens aussi encore une fois sur la transition et sur le coût. Pourquoi parler de coût? On est en question avec le devenir, des milliards, la vie de milliards, des milliards d'ici en 2070. Il y a des dizaines de milliards de gens qui auront habité la planète. Il y a des milliards, littéralement, qui seront morts parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et nous parlons de coûts. Alors que la question est la question de la vie. Et là, voilà qui entre le problème de la politique planétaire de l'eau. Alors là, nous avons la question de savoir, est-ce que cette eau qu'on nous annonce qui sera de plus en plus moindre, de meilleure, de mauvaise qualité, parce que les inondations, les sécheresses, les phénomènes extrêmes du changement climatique modifieront complètement tout le cycle intégral et long de l'eau. Et on sait que l'eau sera un problème. Ça va, nous n'irons pas vers un monde avec d'eau davantage. Et alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? Alors, moi, je suis optimiste, si je peux dire, parce que nous constatons qu'il y a deux consciences qui sont émergées au plan mondial. Et justement, Jean-Pierre, Jacques, les interventions ont parlé de conscience, d'éducation. Il y en a une qui dit qu'au fond, qu'on a compris que la différence entre les êtres humains distincts de la nature, l'espèce humaine, qui est quelque chose qui n'est pas dans la nature, ça ne tient pas debout. Nous faisons partie de la nature. Nous partageons 82% de nos gènes avec les cochons. Je le disais la dernière fois, c'est pour cela que vous, en français, vous dites que tout est bon dans les cochons. Je l'ai compris, moi qui ne suis pas francophone. J'ai compris, je me disais toujours, mais pourquoi ces francophones disent que tout est bon dans les cochons? Donc, eh bien, 82% des gènes, 75% avec les araignées. Nous faisons partie de l'histoire de la nature. Nous sommes nature. Dire nous et la nature, la dissociation de la nature, ce n'est plus valable. On a pris la conscience. Et donc, la nature de la planète, nous sommes partie. L'autre conscience est plus importante encore. On a compris que nous sommes la seule espèce humaine vivante, la seule espèce vivante qui est capable de détruire la vie sur la planète. D'où nous sommes conscients donc que nous sommes la seule espèce vivante qui est responsable de la sauvegarde, du soin et de la pérennité de la vie sur la planète. Et voilà qui vient alors la proposition du bien commun mondial. Le bien commun mondial, c'était avoir la politique mondiale de l'eau comme stratégie de garantir et assumer la pérennité de la régénération de la vie, parce que l'eau est forme de régénération de la vie, et donc de garantir la sauvegarde de la vie pour tous les habitants de la Terre. Habitants de la Terre, pas seulement les humains, mais les arbres, les espèces végétales, les espèces animales, microbiennes, etc. Ça, c'est très important. C'est pour cela que le bien commun public mondial de l'eau, notre proposition la prochaine fois de l'Université des biens communs, parce qu'on parle de l'écologisation de la société, la prochaine, pas le 2 décembre, mais le 13 janvier, nous parlons de la détechnologisation de la vie.
Et donc, c'est la connaissance. Nous proposons d'avoir trois biens communs. Oh, Jean-Pierre, il parle. Oui, c'est ça, ce que je voulais dire, je voulais... Parce que du coup, c'est l'heure du train. Merci beaucoup, pour Jean-Pierre. Merci beaucoup, Luce. Jean-Pierre. On a eu nombreux présidents de la République en Auvergne, mais on a un train dégueulasse. Et c'est merci. Le dernier est à 19h. Et alors, moi aussi, j'ai tenu en disant donc. Non, je dois partir à la. Et donc, alors, c'était de dire que l'eau, les semences et la connaissance. Ils sont l'eau, c'est le capital d'eau de la terre. Les semences, c'est le capital de terre de la terre. Et tout cela, l'intersection et la connaissance. C'est pour cela que nous devons scientifiquement, rigidement, rigoureusement, la prochaine fois, la rencontre sur la technologisation de la vie, approfondir ces questions. Hein. Et merci beaucoup pour aussi ce soir. Merci à Emmanuel, merci. Qui était un animateur remarquable. Merci infiniment à toutes et à tous. Bonne fin d'après-midi.